C'est moi ne va passer, c'est Jésus ne passe pas. Les enfants vont passer, c'est bon. Les parents vont passer, c'est vrai. Et même les cousins vont passer, c'est bien. C'est Jésus ne passe pas, c'est moi ne va passer. La fornication va passer, Ce monde va passer.
passer. Ces mots ne vont passer. Il va passer. Ces mots ne vont passer. Passer. Ces mots ne vont passer. Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Va passer. Ce monde va passer. Passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Le monde va passer, c'est vrai, c'est vrai. Le monde va passer, c'est vrai, c'est vrai. Le monde va passer, c'est vrai, c'est vrai. Jésus ne passe pas. La prostitution va passer, c'est vrai, c'est vrai. La dépouille va passer, c'est vrai, c'est vrai. La vie de Dieu va passer, c'est vrai, c'est vrai. Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Ce monde va passer. Population du marché, Bombino, vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Population du marché, vous écrivez le nom de notre Jésus Christ. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton bâton. Voyons laisser les toits assurés, mais les plus de l'homme de Dieu. Pour toi qui es dans ce marché, mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton bâton. Nous avons essayé de marquer tous les plus de l'homme de Dieu. Toi qui es actuellement dans ce marché, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton bâton. Nous avons espéré les désmarquer, mais les plus de l'homme de Dieu. Reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Receive the peace of the Lord Jesus Christ. Et la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde ta vie. And the peace of the Lord Jesus Christ be upon your life. Et la paix de l'Éternel inonde ta vie. And the peace of the Lord Jesus Christ in your life. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ta vie. May the peace of the Lord Jesus Christ fill your life. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, pour toi qui nous écoute aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime beaucoup. My brothers, my sisters, for you listening to us today, the Lord Jesus Christ loves you sincerely. Pour toi qui es passage au marché, Jésus-Christ t'aime beaucoup, mon frère. For you that is passing by this market, the Lord Jesus Christ loves you so dearly. Pour toi qui es passage aujourd'hui au marché, Jésus-Christ t'aime énormément. For you that is passing by, the Lord Jesus Christ loves you so dearly. Toi qui vends dans ce marché, Jésus-Christ t'aime énormément. For you that is selling in this market, the Lord Jesus Christ loves you so dearly. Pour toi qui es dans ce marché actuellement, Jésus-Christ t'aime beaucoup, mon frère. For you that is in this market, at this moment, the Lord Jesus Christ loves you so dearly. Jésus-Christ t'aime beaucoup, ma soeur. Jesus Christ loves you so dearly. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. La grâce de l'Éternel est dans ta vie aujourd'hui. The grace of the Lord Jesus Christ is upon your life today. La grâce de Dieu est dans ta vie aujourd'hui. The grace of the Lord is upon your life. La grâce du Seigneur Jésus Christ est dans ta vie aujourd'hui. The grace of the Lord is upon your life. La grâce de Dieu est dans ta vie, mon frère, ma soeur. The grace of the Lord is upon your life. La grâce de Dieu est dans ta vie, mon frère, ma soeur. The grace of God is upon your life. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you verily, verily. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you verily, verily. Pour toi qui es compté parmi les vivants aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans ta vie. For you that is counted among the living today, the grace of God is upon your life. Pour toi qui es compté parmi les vivants aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans ta vie. For you that is counted among the living today, the grace of the Lord is upon your life. Pour toi qui es en santé présentement, la grâce de Dieu est dans ta vie. For you that is in good health today, the grace of God is upon your life. Pour toi qui es
est bien important présentement, la grâce de Dieu dans ta vie. For you that is going on well today, the grace of the Lord is upon your life. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you for the truth. L'amour de Jésus-Christ est dans ta vie, mon frère. The grace of the Lord is upon your life. Et la preuve de l'amour de Jésus-Christ dans ta vie est le souffle de vie qui t'anime présentement. And the proof of God's love for your life is the breath of life you are having presently. Si tu es debout aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, mon frère. If you are alive this morning, it's not by your power. Si tu es debout présentement, ce n'est pas par ta volonté. If you are up presently, it's not by your own will. C'est par la grâce de l'Éternel, mon frère. It is by the grace of God. Si tu as pu sortir de chez toi ce matin, c'est par la grâce de l'Éternel. If you are able to leave your house this morning, it's by the grace of God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you the truth. La grâce de Dieu est dans ta vie. The grace of God is upon your life. La preuve de la grâce de Dieu dans ta vie est le souffle de vie que tu as présentement. The proof of God's grace upon your life is the breath of life you have in presently. Alors Jésus-Christ t'aime beaucoup, mon frère. So the Lord Jesus Christ loves you so much. Jésus-Christ t'aime énormément. The Lord Jesus Christ loves you so much. Jésus-Christ t'aime beaucoup. The Lord Jesus Christ loves you so much. C'est la raison pour laquelle il nous envoie encore une fois de plus aujourd'hui. It is the reason for which he sends us your way once more. Pour toi qui es dans ce marché aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans ta vie, mon frère. You that is in this market this evening, the grace of God is upon your life. Je t'encourage à nous prêter ton attention, mon frère. We encourage you to pay attention. Je t'encourage à nous prêter ton attention, mon frère. We encourage you to give us your attention. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, Dieu t'aime énormément. Verily, verily, we tell you, God loves you so dearly. Et il a un plan pour ta vie, mon frère. And he has a plan for your life. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie, mon frère. God has a wonderful plan for your life. Ma soeur, Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. My brothers, God has a wonderful plan for your life. Si jusqu'à présent tu es vivant, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. If presently you are alive, it's because God has a wonderful plan for your life. Je ne connais pas le nombre d'accidents que tu as déjà eu à faire dans ta vie, mais si jusqu'à présent tu es vivant, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. We don't know the number of accidents you have escaped, but if you are alive presently, it's by the grace of God. Je ne connais pas le nombre de maladies que tu as déjà traversées, mais si jusqu'à présent tu es vivante, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. We don't know the number of sicknesses that came your way and were unable to kill you, but if you are alive, Dieu, it is a special grace of God. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. God has a plan for your life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Et nous sommes là aujourd'hui pour te révéler ce plan. And we are here today to reveal this the God's plan for you. Nous sommes là aujourd'hui pour te révéler le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur. We are here today to reveal God's plan for your life. Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour ta vie? Do you know God has a plan for your life? Est-ce que tu sais que tu comptes énormément pour le Seigneur Jésus? Do you know you have a very big treasure in the eyes of the Lord today? Est-ce que tu sais que tu es précieux aux yeux du Seigneur Jésus? Do you know you are precious in the eyes of the Lord Jesus Christ? Est-ce que tu sais que tu es précieuse aux yeux du Seigneur Jésus? Do you know you are precious in the sight of the Lord Jesus Christ? Je te le dis en vérité, mon frère. Verily, verily, we tell you. Quel que soit ce que tu penses. Whatsoever you may think. Quel que soit ce que tu vis. Whatsoever you may have been living. Tu es très précieux aux yeux du Seigneur Jésus. You are very precious in the eyes of the Lord Jesus Christ. Tu es très précieux aux yeux du Seigneur Jésus. You are very precious in the eyes of the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Et le Seigneur Jésus Christ veut commencer une nouvelle vie avec toi. And the Lord Jesus Christ wants to begin a new life with you. Le Seigneur Jésus Christ veut commencer quelque chose de nouveau avec toi, mon frère. The Lord Jesus Christ wants to begin something new with you. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, mon frère. God wants to begin something new in your life. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, mon frère. God wants to begin something new with your life. Pour toi qui passes dans ce marché aujourd'hui, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau dans ta you vie. You that is passing by this market, the Lord wants to begin something new with your life. Et pour cela, tu dois connaître son plan pour ta vie. And for that, you need to know His plan for your life. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur. You need to know the plan of God for your life. Toute personne qui vit dans ce monde, Dieu a un plan pour chacun de nous. God has a plan for everyone living in this world. Pour toute personne qui vit dans ce monde, Dieu a un plan pour sa vie. For everyone that is in this world, God has a plan for your life. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère. God has a plan for your life. Et un plan très merveilleux. And a wonderful plan. Un plan que tu ne peux même pas imaginer. A plan that you cannot imagine. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Do you know the plan of God for your life? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Do you know the plan of God for your life? Le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live everlastingly. Le plan de Dieu pour ta vie
voulait que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live forever. Le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live forever. Est-ce que tu sais que tu peux vivre éternellement? Do you know you can live forever? Est-ce que tu sais que tu peux vivre éternellement? Do you know you can live forever? Est-ce que tu sais que tu peux vivre éternellement? Do you know you can live forever? Est-ce que tu sais que c'est ce que tu as prévu pour toi? Do you know it is a plan God has for you? Est-ce que tu sais que c'est ce que tu as prévu pour toi? Do you know it is what God reserved for you? Je te le dis en vérité mon frère. Verily, verily, we tell you. C'est le plan parfait de Dieu pour ta vie. It is a perfect plan of your God for your life. Le plan parfait de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The perfect plan of God for your life is for you to live forever. Le plan parfait de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The perfect plan for your life, for God in your life is for you to live forever. Parce que tu es tellement précieux aux yeux du Seigneur. Because you are very precious in the eyes of the Lord Jesus. Parce que tu es très précieuse aux yeux du Seigneur. You are very precious in the eyes of the Lord. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Dieu en te créant a prévu une vie éternelle pour toi. God, why creating you are everlasting life for you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Tu peux vivre éternellement. You can live everlastingly. Et Dieu veut que tu vives éternellement. God wants you to live eternally. Cependant, ce n'est pas dans ce monde que tu vas vivre éternellement. It is not in this world you are going to live eternally. Ce n'est pas dans ce monde que Dieu veut que tu vives éternellement. It is not in this world God wants you to live eternally. Parce que ta chair a un temps limité. Because your flesh has a limited time. Mais il y a quelque chose en toi qui vivra éternellement. But there is something in you that will live eternally. Il y a quelque chose en toi qui vivra éternellement. There is something in you that will live eternally. Cette chose-là, c'est ton âme, mon frère, ma soeur. And that is your soul. C'est ton âme qui vivra éternellement, mon frère. It is your soul that will live forever. Après la mort, c'est ton âme qui vivra éternellement. After your death, it is your soul that will live eternally. Lorsque ta chair retournera sa nature propre qui est la poussière, ton âme va continuer à vivre. When your flesh go back to the dust, your soul will live eternally. Et le plan de Dieu pour ta vie est que ton âme vive éternellement. And the plan of God for your life is that your soul will live eternally. Lorsque ton temps va finir dans ce monde, tu vas aller quelque part, mon frère. When your time is expired on earth, your soul will live eternally. Lorsque ton temps va finir dans ce monde, tu iras quelque part, mon frère, ma soeur. When your flesh, when your time will finish on this earth, you will go somewhere. Tu iras quelque part, mon frère, you will ma soeur. Go somewhere. Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you are going? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you are going? Le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live eternally. Cependant, tu dois faire le bon choix pendant que tu es encore dans ce monde. For the meantime, you need to make a good choice while you are alive. Le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live eternally. Mais cependant, il y a quelque chose que tu dois faire, mon frère. But there is something you must do. Il y a quelque chose que tu es censé faire dans ce monde. There is something you need to do in this world. Il y a quelque chose que tu es censé faire pendant que tu es encore vivant. There is something you need to do while you are alive. Il y a quelque chose que tu es censé faire pendant que tu es encore parmi les vivants. There is something you need to do while you are still among the living. Il y a quelque chose que tu es censé faire pendant que tu es encore habitant de la terre. There is something you need to do while you are still an habitant of this earth. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Cette chose-là, c'est de croire au sacrifice de Jésus-Christ. And that is to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Tu dois croire au sacrifice de Jésus-Christ. You need to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça, mon frère. Sure, you have already heard of it. Je suis sûr que tu as déjà entendu que Jésus-Christ était mort sur la croix pour les pécheurs. You have surely heard that the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary for sinners. Mais est-ce que tu sais exactement ce que ça signifie? But do you know what it signifies? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Do you know what it means? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Do you know what it means? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Accorde-nous ton attention, mon frère. Give us attention. Je t'encourage à nous écouter. We encourage you to listen. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, mon frère, ma soeur, c'est pour toi. If the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, it's for your sake. Si Jésus-Christ a versé son sang sur la croix, c'est pour toi et moi, mon frère. If the Lord Jesus Christ shed his blood on the cross of Calvary, it's for you and I. Peut-être tu vas me dire qu'il y a de cela 2000 ans qu'il est mort. Moi, je suis de hier. Maybe you will say that 2000 years ago, you are just from yesterday. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Le fait qu'il y a de cela 2000 ans que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix ne change rien en ce qui concerne son sacrifice. The fact that Jesus Christ died 2000 years ago does not change his sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ concerne toute l'humanité. The sacrifice of the Lord Jesus Christ concerns the whole humanity. Jésus, Jesus,
Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Le plan parfait de Dieu pour ta vie. The perfect plan of God for your life. Et que tu vives éternellement. Is that you should live eternally. Le plan parfait de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The perfect plan of God is for you to live eternally. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, mon frère. Jesus Christ died on the cross of Calvary. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ a versé son sang sur la croix? Do you know why the Lord Jesus Christ shed his blood for you? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ a versé son sang sur la croix? Do you know why the Lord Jesus Christ shed his blood on the cross of Calvary? Est-ce que tu sais pourquoi on dit souvent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les pécheurs? Do you know why they say the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary for sinners? Mon frère, ma sœur. My brothers, my sisters. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour que tu vives éternellement. The Lord Jesus Christ shed his blood on the cross for you to live eternally. Et pour que tu vives éternellement, tu dois croire en ce sacrifice. And for you to live eternally, you need to believe in his sacrifice. Tu dois croire au sacrifice de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. You need to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Il y a quelque chose que tu dois faire, mon frère. There is something you need to do. Et tu dois impérativement faire cette chose avant de quitter ce monde. And you need to do it fast before you leave this world. Tu dois croire en Jésus-Christ, mon frère. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Parce que je te le tiens vérité en vérité. Because verily, verily, we tell you. Lorsque tu quitteras ce monde, when you leave this world, tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Tu vas continuer à vivre quelque part. You will continue living somewhere. Je te le dis en vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que tu es dans ce monde, mon frère, while you are in this world, tu dois croire au sacrifice de Jésus-Christ. You need to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Si Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, mon frère, if the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary for you, c'est parce qu'avant même que tu ne viennes dans ce monde, tu étais déjà un pécheur. It's because before you came to this world, you were already a sinner. Avant que tu ne viennes dans ce monde, tu étais déjà un pécheur, mon frère, ma soeur. Before you came to this world, you were already a sinner. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour toi afin que lorsque tu viens, lorsque tu vas arriver dans ce monde, il te suffira seulement de croire en son sacrifice pour être sauvé. But the Lord Jesus Christ paid the price for you so that when you come to this world and believe in him, you will be saved. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Toute personne qui vit dans ce monde est un pécheur. Every man that is living in this world is a sinner. Toute personne qui vit dans ce monde est un pécheur. Everyone in this world is a sinner. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Nous ne sommes pas devant toi pour te juger, mon frère, ma soeur. We are not before you to judge you. Nous sommes devant toi pour te ramener à l'ordre, mon frère, ma soeur. We are here to bring you back to order. Le plan de Dieu n'est pas, le plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu vives comme tu vis présentement. The plan of God for your life is not for you to live the way you are living. La manière que tu vis présentement, Dieu n'a pas prévu ça pour toi, mon frère. The way you are living your life is not what God destined for you. Lorsqu'on parle du péché, cela ne vient pas de Dieu, mon frère. When we talk of sin, it does not come from God. Lorsqu'on parle de la désobéissance à la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui a occasionné ça. When we talk of disobedience to the word of God, it's not the will of God. Il y a quelqu'un qui a occasionné ça, mon frère, ma soeur. There is somebody that planned it. Il y a quelqu'un qui a occasionné ça. There is somebody that planned it. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que tu es dans ce monde, while you are in this world, il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Il te faut croire en Jésus Christ. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Peut-être tu vas me demander pourquoi est-ce que je dois croire en Jésus Christ. Maybe you ask why do you need to believe in the Lord Jesus Christ. Tu vas encore me poser la question de savoir pourquoi je dois croire en Jésus Christ. You will ask the question why do you need to believe in the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Tu dois croire en Jésus Christ pour avoir la vie éternelle. You need to believe in the Lord Jesus Christ to have everlasting life. Quel que soit ce que nous pouvons faire dans ce monde. Whatsoever we may do in this world. Quel que soit ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Whatever we may have in this world. Quel que soit ce que nous pouvons voir dans ce monde. Whatever we may see in this world. Le plus important c'est la vie éternelle. The most important is eternal life. Le plus important c'est la vie éternelle. The most important is eternal life. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde va passer. Because whatever we see in this world will pass away. Tout ce que nous avons dans ce monde va passer. Whatever we see in this world will pass away. Tout ce que nous voyons dans ce monde va passer. Whatever we have seen in this world will pass away. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tout ce que tu as présentement dans ce monde va passer. Everything you have in this world will pass away. Tout ce que tu vois présentement dans ce monde va passer. Everything you are seeing presently will pass away. Mais il y a quelque chose qui ne passera jamais. But there is something that will not pass away. Il y a quelque chose qui ne passera there jamais. There is something that will not pass away. C'est la volonté de Dieu. It's the will of God. C'est la volonté de Dieu. It's the will of God. C'est la parole de Dieu. It is the word of God. C'est la parole de Dieu. It is the word of God. C'est-à-dire Jésus-Christ. That is to say the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus-Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus-Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus-Christ. This is the
time for you to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time for you to believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you can have everlasting life. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, mon frère, ma soeur, on parle de la vie après la mort. When we talk of eternal life, we talk of life after death. La véritable vie ne se trouve pas dans ce monde, mon frère. Real life is not found here on earth. La véritable vie ne se trouve pas dans ce monde, mon frère. Real life is not found here on earth. Ta vraie vie va commencer lorsque tu quitteras ce monde. Your real life will begin when you leave this world. Ta vraie vie va commencer lorsque tu quitteras ce monde. Your real life will begin when you leave this world. C'est lorsque tu fermeras les yeux que ta vraie vie va commencer. It is when you close your eyes that your real life will begin. Cependant, ta manière de vivre dans ce monde dépend de toute ton éternité. The way you live life on earth will depend on where you spend your eternity. Toute ton éternité dépend de la manière dont tu es en train de vivre présentement. Your eternity depends on how you are living life presently. Toute ton éternité dépend de la manière dont tu es en train de vivre présentement. Your eternity depends on the way you are living life presently. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. L'éternité est une réalité. Eternity is a reality. Je suis sûr qu'autour de toi tu as déjà perdu des personnes. You are surely lost people around you. Je suis sûr qu'autour de toi il y a des personnes qui sont déjà. You have surely lost people around you. Est-ce que tu sais où ces personnes sont allées, mon frère? Do you know where those that are dying around you are going? Est-ce que tu connais où ces personnes se trouvent présentement? Do you know where they are found presently? Est-ce que tu connais où se trouvent les gens qui sont déjà morts, mon frère? Do you know where those that have died are presently? Je suis sûr que tu as déjà perdu un membre de ta famille. We are sure you have already lost a member of your family. Est-ce que tu connais où il se trouve présentement? Do you know where he is presently? Est-ce que tu connais où il est présentement? Do you know where he is presently? Mon frère, ma soeur, tu dois savoir ces choses. My brothers, my sisters, you need to know these things. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce qui arrive à une personne qui meurt? Have you ever asked yourself a question of what happened to those who die? Est-ce que tu cherches même à connaître ce qui se passe lorsqu'une personne ferme les yeux? Do you even find out what happens to those that close their eyes here on earth? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce qui arrive à une personne qui quitte ce monde? Do you even find out what happens to those that die in this earth? Est-ce que tu as déjà cherché à connaître et à comprendre ces choses? Have you ever tried to understand these things? Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, je te le dis en vérité. Verily, tell you. Je te vois de toute personne qui vit dans ce monde, c'est rechercher de sonder les choses. The duty of everyone on this earth is to seek things very deeply. Toute personne qui vit dans ce monde est censée sonder les choses. Everyone living in this world need to dig things very deep. Pendant que tu es dans ce monde, tu dois sonder les choses. While you are in this world, you need to dig things very deep. Tu dois chercher à comprendre certaines choses. You need to seek to know the deep things of this world. C'est pour cela que le Seigneur pouvait nous dire ne vous conformez pas au siècle présent. That is why the Bible says we should not be conformed to this present world. Mais soyez transformés par le renouvellement. L'intelligence. But we should be transformed by the renewal of our spirit. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. So that we can discern what is the will of God. Ce qui est bon, agréable et parfait. What is good, pleasant and perfect before God. Frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Pendant que tu es dans ce monde. While you are in this world. Tu dois rechercher la volonté de Dieu. You need to seek the will of God. Tu dois chercher à connaître et à comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. You need to seek to know what is the will of God. Pendant que tu es dans ce monde, mon frère. While you are in this world. Il y a quelque chose que tu es censé faire. There is something you need to do. De rechercher la volonté de Dieu. It's to seek the will of God. Parce que tu es une créature de Dieu. Because you are a creature of God. Tu as été créé par Dieu, mon frère. You were created by God. Et tu dois connaître pourquoi tu as été créé. Yeah, you need to know why you were created. Tu dois connaître ce que tu fais dans ce monde. You need to know what you are doing in this world. Tu dois connaître qui tu es exactement. You need to know who you are presently. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Est-ce que tu sais qui tu es même exactement? Do you know who you are presently? Est-ce que tu sais qui tu es, mon frère? Do you know who you are? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Have you asked yourself this question? Est-ce que tu as déjà cherché à connaître ce que tu fais même dans ce monde? Have you even asked yourself what you are doing in this world? Est-ce que tu as même déjà cherché à comprendre ce monde? Have you ever seek to understand this world? Ou alors tu vis aussi comme ça? Oh, you are just living like that. Le monde va à gauche, tu vas à gauche. The world go to the left, you le go to the left. Le monde va à droite, tu vas à droite. This world go to the right, you go to the right. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est une erreur de vivre ainsi. It is a great mistake for you to live that way. C'est une erreur de vivre ainsi. It is a terrible error for you to live that way. Tu ne peux pas vivre comme le monde vit, mon frère. You don't need to live the way the world is living. Parce que ce monde est passager. Because this world is not perfect. Nous sommes des étrangers, des passagers dans ce monde. We are strangers and pilgrims in this world. Alors si quelqu'un arrive dans ce monde et puis se conforme à ce monde, il va se perdre. But if someone comes to this world and is conformed to this world, he will be lost. Si tu es un étranger et un passager, ça signifie que tu vas retourner quelque part. If you are a stranger and a passerby, it means you will not stay here forever. Tu vas retourner quelque part, mon you frère. Will go somewhere. Je suis sûr que tu le sais comme moi, mon frère. You are aware of that. Que tu n'es pas éternel dans ce monde. That you are not eternal on this earth. Je suis sûr que tu le sais, ma soeur. You are sure that you are aware of it. Un jour, tu quitteras ce monde. One day you will leave this world. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si jamais tu quittais ce monde aujourd'hui. If you leave this world today. Où iras-tu, mon frère? Where will you go? Où iras-tu, mon frère? Where will you go? Où iras-tu, mon frère? Where will you go? Est-ce que tu sais où tu vas partir? Do you know where you will go? Le Seigneur nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. The Bible says nobody knows the day nor the hour.
Et que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir au jour de sa mort. And no man is a master of his spirit to retain it on the day of his death. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si jamais tu fermais les yeux aujourd'hui. If you close your eyes today. Où iras-tu, mon frère? Where will you go? Où iras-tu, ma soeur? Where will you go? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Do you know what will happen to you? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Do you know what will happen to you? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Do you know what will happen to you? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que tu es vivant, mon frère. While you are alive. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur Jésus-Christ. We don't know what you have heard of the Lord Jesus Christ. Je ne connais pas les choses que tu as lues sur Jésus-Christ. We don't know what you have read of the Lord Jesus Christ. Je ne connais pas les inventions qu'on t'a dit sur Jésus-Christ. We don't know the inventions you have heard of the Lord Jesus Christ. Je ne connais pas le mensonge que tu as entendu sur Jésus-Christ. We don't know the lies you have heard of the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. Jésus-Christ est la vie. Jesus Christ is life. Le nom de Jésus-Christ est la vie. Jesus Christ is life. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. That is why his word declares he is the way, the truth and the life. Et lui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie, mon frère. Whosoever is not having the Lord Jesus Christ don't have life. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas de vie. If you don't have Jesus Christ, you don't have life. Quel que soit ce que tu penses, mon frère. Whatsoever you may think. Quel que soit ce que tu crois. Whatsoever you believe. À propos de Jésus-Christ. Concerning the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Out of Jesus Christ, there is no life. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'a pas de vie. If you don't have the Lord Jesus Christ, you don't have life. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de la crainte de l'Éternel. When we talk of Jesus Christ, we talk of the fear of God. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant que tu dois devenir sage. It is now you need to be wise. En donnant ta vie à Jésus-Christ. By giving your life to the Lord Jesus Christ. Parce que c'est lui qui donne sa vie à Jésus-Christ. A reçu la sagesse, à la sagesse. Because whosoever give his life to the Lord Jesus Christ has wisdom. C'est maintenant que tu dois devenir sage, mon frère. This is the time for you to be wise. Parce que les temps sont en train de finir. Because time is finished. Au fur et à mesure que le temps avance, tes jours sont en train de reculer. As time is going ahead, that is how your life is diminishing. Au fur et à mesure que les années avancent, tes jours sont en train de reculer. As years are going by, your numbers of days are reducing. Le compte à rebours de tout un chacun est lancé. The end of every man is already. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est maintenant que tu dois croire en Jésus-Christ. It is now you need to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus-Christ. This is the time for you to believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'être sauvé lorsque tu quitteras ce monde. So that you will be saved when you leave this world. Afin d'être sauvé lorsque tu partiras. So that you will be saved when you leave this world. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'une affaire de religion. When we talk of the Lord Jesus Christ, it's not an affair of religion. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec les affaires des églises réveillées. When we talk of the Lord Jesus Christ, it's not a matter of born again churches. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il s'agit d'une affaire des églises réveillées. Many people think when they talk of the Lord Jesus Christ, they are talking of born again churches. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de religion, mon frère. When we talk of the Lord Jesus Christ, it's not a matter of religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. It has nothing to do with religion. Ça n'a rien à voir avec les églises réveillées. It has nothing to do with born again churches. Ça n'a rien à voir avec les dénominations. It has nothing to do with denominations. Ça n'a rien à voir avec les obédiences. It has nothing to do with whatever you may think. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, talk of the Lord Jesus Christ. On parle des cellules là qui te permet d'être en vie présentement. We talk of you that permits you to be alive presently. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ. When we talk of the Lord Jesus Christ. On parle des cellules là qui te donne le souffle de vie qui t'anime présentement. We talk of you that keeps you alive presently. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ. When we talk of the Lord Jesus Christ. On parle des cellules là qui t'a relevé de toutes les maladies qui t'ont atteint dans ta vie. We talk of you that brought you out of all of the sicknesses you have witnessed in your life. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ. When we talk of the Lord Jesus Christ. On parle des cellules là qui a fait que tu échappes à plusieurs accidents. We talk of you that has made you to escape many accidents. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ. When we talk of the Lord Jesus Christ. On parle des cellules là qui t'a relevé à chaque fois que tu es tombé. We talk of you that wake you up from every time you fall. Peut-être tu ne le sais pas, mon frère. Maybe you don't know. Mais je te le dis en vérité, en vérité. But very, very, we tell you. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec les affaires des religions. When we talk of the Lord Jesus Christ, it's not a matter of religion. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec les affaires des églises. When we talk of the Lord Jesus Christ, it's not an affair of churches. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de la vie, mon frère. When we talk of Jesus Christ, we talk of life. Lorsqu'on parle de la vie, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la vie. When we talk of the Lord Jesus Christ, we talk of life. Et toute personne qui est dans ce monde a besoin de vivre. And everyone in this world needs to live. Si je te posais la question là présentement, si tu veux mourir, je suis sûr que tu vas me dire non. If they ask you a question presently, do you want to die? You will say no. Alors lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la vie. So when they talk of the Lord Jesus Christ, they talk of life.
Jésus-Christ est la vie, mon frère. Jesus Christ is life. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Beside the Lord Jesus Christ, there is no life. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. Cependant, la vie que tu as dans ce monde est temporaire. The life you are living in this world is temporary. La vie que tu as dans ce monde est temporaire. The life you live in this world is temporary. Ton existence dans ce monde est limitée. Your existence in this world is very limited. Ton existence dans ce monde est limitée. Your existence in this world is very limited. Pour vivre éternellement, il te faut croire en Jésus-Christ. For you to live eternally, you need to believe in the Lord Jesus Christ. Afin que ton âme soit sauvée lorsque tu fermeras les yeux. So that your soul will be saved when you close your eyes. Afin que ton âme continue à vivre lorsque tu quitteras ce monde. So that your soul will live when you leave this earth. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. It is now you need to give your life to Jesus. Maintenant qu'il te faut croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Je sais que tu vas me dire que moi j'ai déjà mon église, je ne veux pas vos choses là. Maybe you will say I already have my church, I don't need your super thing. Peut-être tu vas me dire que moi j'ai déjà ma religion, moi je ne suis pas dans vos choses des églises réveillées. Maybe you will say I have my religion, I don't need that. You think of born again churches. Peut-être tu vas me dire que moi je suis déjà catholique, ça va. Moi je ne suis pas dans vos bêtises là. Maybe you will say you already a Catholic. You don't need the Lord Jesus Christ. Peut-être tu vas me dire que moi je suis témoin de Jéhovah. Moi je ne suis pas dans vos conneries là. Maybe you say you are Jehovah Witness. You don't need what we are telling you now. Peut-être tu vas me dire que moi je suis pentecôtiste. J'ai déjà mon église. Maybe you say you are Pentecostal. You already have in your church. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est pas le nom d'une église qui va te sauver, mon frère. It is not the name of a church that will save you. C'est pas le nom d'une dénomination qui va te sauver. It is not the name of a denomination that will save you. C'est pas le nom d'une assemblée qui va te sauver. It is not the name of an assembly that will save you. Par le fait d'appartenir à une religion qui va te sauver. It is not for you to be a member of a religion that will save you. Je te le tiens vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Le fait de t'appeler catholique ne va pas te donner la vie éternelle. It is not the name Catholic that is going to give you eternal life. Pas parce que tu portes le nom de musulman que tu auras la vie éternelle. It is not because you are called a Muslim that you have eternal life. Pas parce que tu portes le nom de pentecôtiste que tu auras la vie éternelle. It is not because you are called a Pentecostal that you have eternal life. C'est pas parce que tu portes le nom de bouddhiste que tu auras la vie éternelle. It's not because you are called a Buddhist that you have eternal life. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. La seule et unique chose qui peut donner la vie éternelle à un homme. The only thing that can give eternal life to a man. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. It is to put the word of God into practice. Si tu es catholique. If you are Catholic. Et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. And you don't put the word of God into practice. Ta religion est vaine, mon frère. Your religion is vain. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu es témoin de Jéhovah. If you are Jehovah's Witness. Que tu n'arrives pas à respecter la parole de Dieu. And you cannot respect the word of God. Le nom de témoin de Jéhovah ne va pas te sauver. The name of Jehovah Witness will not save you. Si tu es adventiste, if you are an Adventist, et que tu n'arrives pas à respecter les préceptes et les lois de l'Éternel, and you cannot respect the precepts and the laws of God, ta religion est vaine, mon frère. Your religion is vain. Elle ne te sert à rien. It will not help you in anything. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. La vie se trouve en Jésus Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Je ne sais pas si tu vas me dire que moi je n'ai pas besoin de voir que Jésus là. Maybe you will say you don't need the Lord Jesus Christ. Peut-être tu vas me dire moi j'ai déjà la maison, moi j'ai déjà ma famille, toutes mes affaires marchent bien, je n'ai pas besoin de Jésus. Maybe you will say your business is doing well, you have your house, you have your family, you don't need the Lord Jesus Christ. Peut-être tu vas me dire que moi mon business tourne déjà bien, moi je n'ai pas besoin de Jésus. Maybe you will say your business is going on well, you don't need the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you verily, verily. Quel que soit ce que tu penses, whatever you think, tu as besoin de Jésus. You need the Lord Jesus Christ. Quel que soit ce que tu crois, whatever you may think, tu as besoin de Jésus. You need the Lord Jesus Christ. Quel que soit ce que tu penses, whatever you think, tu as besoin de Jésus. You need the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu as besoin de Jésus Christ dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Présentement, tu peux croire que tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu crois que après la mort, tout va s'arrêter. Maybe you think after life, you everything will end. That is why you think you don't need the Lord Jesus Christ. Là présentement, tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus Christ parce que tu crois que après la mort, tout va s'arrêter. Presently, you think you don't need the Lord Jesus Christ because you think after life, everything will end. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Lorsque tu fermeras les yeux, que tout va commencer. It is when you close your eyes that things will just start. La vraie vie va commencer lorsque tu fermeras les yeux. Your real life will begin when you close your eyes. Cependant, tu es dans ce monde pour un choix. You are in this life to make a choice.
choice. Dans ce monde, pour faire un choix d'appartenance. You are in this life to make a choice of belonging. Pendant que tu vis, tu es déjà en train de faire un choix. While you are alive, you are already making a choice. Parce que tu es en train de choisir par ta manière de vivre. Because you are making a choice by your way of life. Par ta manière de vivre, tu es en train de choisir ta destination finale. By your way of life, you are choosing your final destination. Toute personne qui vit dans ce monde va partir. Everyone living in this world will go. Ça, moi, je sais que tu le sais. That you are aware of it. Un jour, tu vas partir. One day you will live. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, very tell you. Mais pendant que tu es en train de vivre, but while you are alive, est-ce que tu sais que tu es en train de choisir ta destination finale? Do you know you are choosing your final destination? Est-ce que tu sais même qu'il y a une destination finale? Do you know there is a final destination? Où iras-tu lorsque tu quitteras ce monde? Where will you go when you leave this world? Où iras-tu lorsque tu quitteras ce monde? Where will you go when you leave this world? Que feras-tu lorsque tu fermeras les yeux, mon frère? What will you do when you close your eyes? Je te le dis en vérité, mon frère. Very, very, very tell you. Maintenant que tu dois te préparer à ça. It is now you need to prepare yourself. C'est pendant que tu as encore un peu de temps que tu dois te préparer à ça. It is why you having a little bit of time that you need to prepare yourself. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Because nobody knows the day nor the hour. Mais si ton jour arrive avant que tu n'acceptes Jésus Christ dans ta vie. But if your day comes before you accept the Lord Jesus Christ. Ça ne sera pas bon. Amen, mon frère. Ça ne sera pas bon du tout pour toi. It will not be good for you. Ça ne sera pas bien pour toi. It will not be good for you. Je te le dis en vérité. Very, very, we tell you. Pendant que tu es dans ce monde. While you are in this world. Pendant que tu as encore un peu de temps dans ce monde. While you are still having a little bit of time in this world. Repentir et croire en Jésus Christ. You need to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Tu dois te repentir et croire en Jésus Christ. You need to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Tu dois te repentir et croire en Jésus Christ. You need to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle lorsque tu quitteras ce monde. So that you have everlasting life when you leave this world. Tu dois te repentir et croire en Jésus Christ. You need to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you can have everlasting life. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. En dehors de Jésus Christ, il n'y a pas de vie. Out of Jesus Christ, there is no life. En dehors de Jésus Christ, il n'y a pas de vie. Apart from Jesus Christ, there is no life. En dehors de Jésus Christ, il n'y a pas de vie, mon frère. Out of Jesus Christ, there is no life. Jésus Christ est la vie. Jesus Christ is life. Jésus Christ est la vie. Jesus Christ is life. Et il veut te donner cette vie en abondance. And he wants to give you this life in abundance. Pour cela, tu dois croire au sacrifice qu'il a accompli pour toi. That is why you need to believe in his sacrifice that he accomplished for you. Parce que si tu refuses de croire au sacrifice de Jésus Christ, tu ne pourras pas avoir la vie. Because if you refuse to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ, you will never have life. Si tu refuses de croire au sacrifice que Jésus Christ a accompli pour toi, tu n'auras pas la vie éternelle. If you refuse to believe in the sacrifice that the Lord Jesus Christ sacrificed for you, you can never have life. Il n'y a que le sacrifice de Jésus Christ qui peut te procurer la vie éternelle. Only the sacrifice of the Lord Jesus Christ can give you eternal life. Rien d'autre ne peut te procurer le salut, mon frère. Nothing else can give you salvation. En dehors du sacrifice de Jésus Christ. Out of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. C'est là que tu dois croire en Jésus Christ pendant que tu es vivant. That is why you need to believe in the Lord Jesus Christ while you are alive. Il te faut croire en Jésus Christ pendant que tu vis encore. You need to believe in the Lord Jesus Christ while you are alive. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Le temps de se repentir est arrivé, mon frère. The time to repent has come. Tu as longtemps vécu comme tu voulais. You are so much lived the way you wanted. Tu as longtemps mené ta vie comme tu veux, mon frère. You are so long lived the way you wanted. C'est le moment de se repentir et d'abandonner le mal. It is time to repent and abandon evil. C'est le moment de se repentir et d'abandonner l'iniquité. It is time to repent and abandon iniquity. C'est le moment de se repentir et d'abandonner le péché. It is time to repent and abandon sin. Car le péché c'est la mort. Because sin is death. Le salaire du péché c'est la mort, mon frère. The wages of sin is death. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Lorsqu'on parle de péché, when we talk of sin, on parle de la désobéissance à la parole de Dieu. We talk of disobedience to the will of God. La désobéissance à la parole de Dieu est très dangereuse. Disobedience to the word of God is very dangerous. La désobéissance à la parole de Dieu est très dangereuse. Disobedience to the word of God is very dangerous. Celui qui vit comme il veut est en train de désobéir à la parole de Dieu. He that lives the way he wants is disobeying God. Celui qui mène sa vie comme il veut, il est en train de désobéir à la parole de Dieu. He that chooses to live the way he wants is disobeying the word of God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est le moment de changer de vie. It is time for you to change your way of life. C'est le moment de te conformer à la volonté de Dieu. It is time for you to be conformed to the word of God. C'est le moment de te conformer à la parole de Dieu. It is time to be conformed to the word of God. C'est le moment de changer de vie, mon frère. It is time to change your way.
way of life. Et le moment de maigre de l'ogre dans ta vie. It is time to put your life in order. Le temps de la repentance est arrivé, mon frère. The time for repentance has come. Tu as longtemps vécu comme tu voulais, mon frère. You have so long lived the way you wanted. Malgré tous tes péchés. With all of your sins. Malgré tout ce que tu as fait de mal. With all of your abominations. Jusqu'à aujourd'hui, tu es vivant. Till today you are still alive. Je suis sûr que tu as déjà loupé la mort à plusieurs reprises. Death has already escaped you for many times. Mais c'est jusqu'à présent tu es vivant. But in presently you are alive. Si jusqu'à présent tu es compté parmi les vivants. In presently you are counted among the living. C'est parce que Dieu voit que tu peux te repentir. It's because the Lord believes you can change. Parce que si tu quittes ce monde sans recevoir le pardon de Dieu. Because if you leave this world without receiving the forgiveness of God. Ça ne sera pas bien pour toi. It will not be good for you. Tu dois te repentir afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to repent so that you can receive the forgiveness of God for your sins. Toute personne qui vit dans ce monde doit se repentir afin de recevoir le pardon de Dieu pour ses péchés. Everyone living in this world needs to repent so that we receive the mercy of God for his sins. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tu dois te repentir afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to repent so that you receive the forgiveness of God for your sins. Je ne connais pas ta vie, mon frère. We don't know your life. Mais tu as besoin de te repentir. But you need to repent. Tu as besoin de te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. You need to repent. Afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. So that you receive the forgiveness of God for your sins. Que si la mort te trouve étant pécheur. Because if death meets you as a sinner. Si la mort te trouve étant pécheur. If death meets you in your sin. Tu vas malheureusement périr, mon frère. You will perish. Tu vas malheureusement périr, mon frère. You will perish. Tu vas malheureusement périr, mon frère. You will perish. Le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives éternellement. The plan of God for your life is for you to live eternally. Mais si la mort te trouve étant pécheur. But if death meets you as a sinner. Tu vas malheureusement périr. You will perish. Tu vas périr, mon frère. You will perish. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Si la mort te trouve étant pécheur. If death meets you as a sinner. Tu vas malheureusement périr. You will perish. Dieu va te rejeter. God will reject you. Tu vas te retrouver en enfer. You will be found in hellfire. Pour l'éternité. For eternity. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Pour l'éternité. For eternity. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Pour l'éternité. For eternity. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Pour l'éternité. For eternity. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. C'est maintenant que tu dois te repentir. It is now you need to repent. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre la volonté de Dieu. It is time for you to take an engagement to follow the word of God. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement de suivre les voies de l'Éternel. It is now you need to take an engagement to follow the ways of God. Parce que c'est ça qui va te procurer la vie. Because that is what will give you life. C'est ça qui va te donner la vie. That is what will give you life. Je te le dis en méritant, mérite. Verily, verily, we tell you. Maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en méritant, mérite. Verily, verily, we tell you. Là présentement, la pluie commence, chacun cherche à se cacher. Presently, rain has started, people are trying to hide. Lorsque la pluie commence, chacun cherche à se cacher. When rain starts, people are trying to hide. Et il y a quelque chose de plus grave qui arrive. But there is something more dangerous that is coming. Beaucoup de personnes ne savent pas. That many people are not aware of. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en méritant, mérite. Verily, verily, we tell you. Les temps sont réellement finis. Time is finished. Le Seigneur réserve ce monde. Pour le détruire par le feu. The Lord has reserved destruction to destroy this world with fire. Et personne ne connaît ni le jour ni l'heure. And nobody knows the day nor the hour. Ce monde est réservé pour le feu. This world has been reserved for fire. Ce monde est réservé pour être détruit par le feu. This world has been reserved to be destroyed by fire. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Lorsque la pluie tombe, tu te caches. When rain is coming, you seek for where to hide. Si la pluie de feu commence maintenant, est-ce que tu peux If the rain of fire begins now, can you hide? Est-ce que tu pourras te cacher? Will you be able to hide. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est ce que Dieu va faire. That is what God will do. Dieu va détruire ce monde par le feu. God will destroy this world with fire. La raison pour laquelle tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. That is why you need to repent before it be too late. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. You need to repent before it be too late. Parce que les temps sont finis. Because time is finished. Et avant que la fin du monde arrive, tu peux mourir, mon frère. Before the end of the world will come, you can die. Si tu meurs sans te repentir, mon frère. If you die without repenting. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu seras rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Tu passeras l'éternité dans les ténèbres. And you will spend your eternity in fire. Où tu seras consumé au siècle des siècles. Where you will be consumed forever and ever. Je te le dis en véritable. Verily, verily, we tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Nous ne sommes pas devant toi pour te dire que donne ta vie à Jésus Christ, tu auras le travail. We are not here to tell you give your life to Jesus and you have work. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ces choses. You have already heard those things. À plusieurs reprises, on t'a déjà prêché cet évangile. For so long, you have heard those types of gospel. Mais si tu veux
le travail, tu dois venir à Jésus-Christ. That if you want a job, you should come to Jesus. Si tu veux le mariage, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. That if you want marriage, you come to the Lord Jesus. Si tu veux le voyage, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. That if you want to travel, you come to the Lord Jesus. Nous ne sommes pas devant toi pour te raconter ces choses, mon frère. We are not before you to tell you those things. Nous ne sommes pas devant toi pour te dire donne ta vie à Jésus-Christ, tu auras l'argent. We are not here to tell you give your life to the Lord Jesus and you have money. Mon frère, ma sœur. My brothers, my sisters. L'argent n'a jamais sauvé quelqu'un et ce n'est pas par toi que ça va commencer. Money has never saved anyone and you are not the first that money is going le to save. Le voyage non plus ou le mariage n'a jamais sauvé quelqu'un et ce n'est pas par toi que ça va commencer. Traveling abroad and marriage has never saved anybody and you are not the one that will be the first to be saved by those things. Si nous sommes devant toi, mon frère. If we are before you, my brothers. C'est pour te dire viens Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. It's to tell you come to the Lord Jesus Christ and have everlasting life. Si nous sommes devant toi, mon frère, ma sœur. If we are before you, my brothers. C'est pour te dire donne ta vie à Jésus-Christ afin d'échapper à la condamnation éternelle. It's to tell you give your life to the Lord Jesus Christ and escape everlasting condemnation. Parce que si quelqu'un quitte ce monde sans se repentir, because if anyone leaves this world without repenting, cette personne sera condamnée pour l'éternité. That person will be condemned for eternity. À cause de la manière dont elle a vécu dans ce monde. Because of the way he has lived life on earth. Si tu quittes ce monde sans te repentir, if you leave this world without repenting, afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés, so that you can receive the forgiveness of God for your sins, tu seras condamné pour toujours. You will be condemned forever. Et non seulement tu seras condamné, not only you will be condemned, et tu seras torturé pour toujours. You will be tortured forever. À cause de quoi? Because of what? Des abominations que tu as commis dans ce monde. The abominations you have been committing in this world. Des péchés que tu as commis dans ce monde. The sins you have been committing in this world. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est que le tien vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est lui qui vit dans le péché. Creuse sa propre tombe. He that is living a sinful life is digging his own grave. Lorsqu'une personne vit dans le péché, elle est en train de creuser sa propre tombe sans le savoir. When a man lives in sin, is digging his own grave. Je te le dis en vérité, en vérité. Very rarely we tell you. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler du diable. You have already heard of the devil. Parce que beaucoup de personnes croient au diable plus qu'en Dieu. Many people believe in the devil more than in God. Lorsqu'on parle de Dieu, beaucoup de personnes disent ah, laissez-nous ça. When we talk of God, many people say oh, allow me those things. Mais lorsqu'on parle du diable de la sorcellerie, tout le monde est d'accord que oui, ça existe. When we talk of the devil and we talk of witchcraft, many people will confirm that it is. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Laisse-moi te dire quelque chose. Allow us to tell you one thing. À propos de celui à qui tu crois beaucoup. Concerning me that you believe too much. Le plan du diable pour ta vie, mon frère. The plan of the devil for your life. C'est de te maintenir dans une vie de péché jusqu'à ce que tu fermes les yeux. Is to keep you in a sinful life till you die. Le plan du diable pour ta vie. The plan of the devil for your life. C'est de te maintenir dans une vie de masturbation jusqu'à ce que ton temps arrive. Is to keep you in a life of masturbation till you die. Le plan de Dieu pour ta vie, mon frère. The plan of the devil for your life. C'est de te maintenir dans la fornication tous les jours. Is to keep you in fornication every day. Jusqu'au jour où tu fermes les yeux. Till the day you close your eyes. Afin que Dieu te rejette. So that God will reject you on that last day. Pour toi qui vis dans la sorcellerie. You that is living in a witchcraft life. C'est la même chose pour toi. It is the same thing for le you. Le plan du diable c'est de te maintenir dans la sorcellerie jusqu'à ce que tu vas mourir. The plan of the devil is to keep you in witchcraft till you die. Afin que Dieu te rejette. So that God will reject you. Parce que toute personne qui vit dans le péché et si elle ne se répand pas, elle sera rejetée par Dieu. Everyone living in sin that refuses to repent will be rejected by God. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si tu vis dans le péché, if you are living a sinful life, que la mort te trouve, and death meet you, sans que tu ne t'aies repenti, without you repenting, tu seras malheureusement rejeté par Dieu. You will be rejected by God. Lorsqu'on parle de la mort, on ne parle pas de ce que toi tu connais. When we talk of death, it's not what you think. La véritable mort, c'est le fait d'être condamné pour toujours. Real death is to be condemned forever. La véritable mort, c'est le fait de se retrouver en enfer au siècle des siècles. Read that is to find yourself in hellfire for ever and ever. La véritable mort c'est le fait d'être jeté dans les temps ardents de feu. Read that is to be cast into hellfire. C'est ça la véritable mort. That is real. La mort n'est pas ce que toi tu connais. That is not what you think to know. En vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant que tu dois choisir, mon frère. This is the time for you to choose. Tu dois choisir ta destination finale. You need to choose your final destination. Tu dois choisir ta destination finale. You need to choose your final destination. Dieu ne force personne à devenir son enfant. God will not force anybody to become his child. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mon frère. Everyone is not a child of God. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois devenir enfant de Dieu. But if you want to have everlasting life, you need to be a child of God. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur. And to be a child of God, you need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and si Savior. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es
seulement une créature de Dieu. If you have never accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are just a creature of God. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Christ. If you have never given your life to the Lord Jesus Christ. Si tu n'es jamais engagé à suivre les préceptes et les commandements de l'Éternel. If you have never taken an engagement to obey the commandments of God. Tu as toujours été et tu es une créature de Dieu. You have been and you are still a creature of God. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. But you are not a child of God. Cependant, aucune créature de Dieu ne peut entrer au ciel. And no creature of God will enter the heaven. Aucune créature de Dieu ne peut entrer au ciel. No creature of God will enter heaven. Ce n'est que ceux-là qui sont enfants de Dieu qui peuvent entrer au ciel. Only children of God will enter heaven. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu vas entrer au ciel pour vivre éternellement. If you want to enter heaven and live eternally. Tu dois devenir enfant de Dieu. You need to be a child of God. Il te faut devenir enfant de Dieu. You need to become a child of God. Mon frère, ma sœur. My brothers and sisters. Une créature de Dieu ne peut pas faire la volonté de Dieu. A creature of God will not do the will of God. Tant que tu vas demeurer créature de Dieu, tu ne pourras pas être capable de faire la volonté de Dieu. As you remain a creature of God, you will be unable to do the will of God. C'est pour cela que personne ne peut arrêter de pratiquer le péché par ses propres forces. That is why nobody can stop sin by his own power. Parce qu'une créature de Dieu ne peut pas faire la volonté de Dieu. Because no creature of God can do the will of God. Un chien ne connaît pas la volonté de Dieu. Aucun animal ne connaît la volonté de Dieu. No animal knows the will of God. Aucun animal ne peut pratiquer la volonté de Dieu. No animal can practice the will of God. Parce qu'ils ne sont que des simples créatures de Dieu. Because they are just creatures of God. Mais cependant, for the meantime, toute personne qui se trouve dans cette position là, everyone that is found in that position, toute personne qui se trouve dans cette position de créature de Dieu, everyone found in the position of the creature of God, cette personne ne peut pas obéir à Dieu. That person cannot obey God. Pour pouvoir obéir à Dieu, tu dois devenir enfant de Dieu. For you to obey God, you need to be a child. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. By accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Parce que c'est par la force de Jésus-Christ que tu pourras obéir à Jésus-Christ. Because it is by the power of the Lord Jesus Christ that you can obey the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est maintenant qu'il te faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. It is now you need to accept the Lord Jesus Christ in your life. Afin de pouvoir couper les ponts avec la masturbation. So that you will destroy that breach of masturbation. Afin de pouvoir arrêter le banditisme. So that you will destroy robbery. Afin de pouvoir arrêter la sorcellerie. So that you will stop witchcraft. Afin de pouvoir arrêter le mensonge. So that you will stop lies telling. Afin de pouvoir arrêter la fraude. So that you will stop duping people. Afin de pouvoir arrêter la prostitution. So that you will stop prostitution. Afin de pouvoir arrêter l'ivrognerie. So that you will stop drunkenness. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus Christ. If you don't give your life to the Lord Jesus Christ. Quand tu descends, tu ne vas jamais arrêter de pécher, mon frère. Go up and down, you will never stop sin. Tu seras toujours esclave du péché. You will always be a slave to sin. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus Christ, mon frère. If you don't give your life to the Lord Jesus Christ. Tu seras toujours un pécheur. You will always be a sinner. Tu seras toujours en train de pécher. You will always be the one committing sin. Parce que toute personne qui n'a jamais accepté Jésus Christ dans sa vie est esclave du péché. Because whosoever has never accepted the Lord Jesus Christ can never stop sinning. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tu es esclave du péché. You are a slave to sin. Pour toi qui n'as jamais reçu Jésus Christ dans ta vie. You have never received the Lord Jesus Christ. Tu es esclave du péché. You are a slave to sin. Et c'est aujourd'hui même que Jésus Christ va te délivrer. And it's today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. C'est aujourd'hui que Jésus Christ veut te délivrer. It is today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. C'est aujourd'hui que Jésus Christ veut t'affranchir. It is today the Lord Jesus Christ wants to free you. C'est aujourd'hui que Jésus Christ veut t'affranchir. It is today the Lord Jesus Christ wants to free you. C'est aujourd'hui que Jésus Christ veut t'affranchir. It is today the Lord Jesus Christ wants to free you. Mon frère, ma sœur. My brothers and sisters. C'est Jésus Christ qui peut t'affranchir du péché. Only the Lord Jesus Christ can free you from sin. Jésus Christ a versé son sang sur la croix pour toi afin d'être libéré du péché. Jesus Christ shed his blood on the cross of Calvary for you so that he will deliver you from sin. C'est Jésus Christ qui a le pouvoir de briser le joug du péché dans ta vie. It is Jesus Christ that has the power to destroy the power of sin over your life. Ce pouvoir appartient uniquement à Jésus Christ. The power of deliverance belongs only to the Lord Jesus Christ. Toi qui es fatigué de la fornication. You that is tired of fornication. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Donne ta vie à Jésus Christ et tu seras libéré. Give your life to the Lord Jesus Christ and you will be liberated. Quel que soit le péché dans lequel tu te trouves. Whatsoever be the sin you find yourself in. Même si c'est la sorcellerie. Even if it is witchcraft. Tu cherches à sortir de la sorcellerie. You want to come out of witchcraft. Tu veux abandonner la sorcellerie. You want to abandon witchcraft. Mais tu n'as pas moyen. But you don't have the means. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Laisse-moi te dire que Jésus Christ va te délivrer aujourd'hui même. Allow us to tell you Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui même. Jesus Christ is ready to deliver you. Quel que soit ce qu'on t'a dit là-bas. Whatsoever they may have told you. Même si on t'a dit que si tu sors, si tu abandonnes.
abandonnes la sorcellerie, on va te tuer. Whatever they tell you that if you abandon, you are going to be destroyed. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ va te délivrer. It is today the Lord Jesus Christ wants to deliver you. C'est là que tu dois l'accepter dans ta vie aujourd'hui. That is why you need to accept him into your life. Mon frère, ma sœur. My brothers and sisters. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. It is time to accept the Lord Jesus Christ. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. It is time to receive the Lord Jesus Christ. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans ta vie et d'abandonner le péché, mon frère. It is time to receive the Lord Jesus Christ and abandon sin. C'est le moment de changer de camp, mon frère. It is time for you to change the camp. C'est le moment de ne plus être esclave du péché, mon frère. It is time for you no longer to be a slave to sin. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est esclave du péché. Whosoever is not having the Lord Jesus Christ is a slave to sin. Et celui qui est esclave du péché est serviteur de Satan. And whosoever is a slave to sin is a servant of the devil. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Jésus-Christ va te délivrer de cet esclavage. Jesus Christ wants to deliver you from that slavery. Parce que toute personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie est un esclave du péché. Because whosoever has never received the Lord Jesus Christ is a slave to sin. Et Jésus-Christ est mort pour les esclaves. And Jesus Christ died for the slaves. C'est parce qu'on était des esclaves du péché que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, mon frère. It is because we were slaves to sin that the Lord Jesus Christ died for us. Pour être franchi de ce jour, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. For us to be free, we need to accept the Lord Jesus Christ. Tu dois croire au sacrifice de Jésus-Christ. We need to believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Mais si tu préfères demeurer esclave, but if you choose to remain a slave, si tu endurcis le cœur, if you harden your heart, si tu préfères dire, if you prefer to say, moi je ne suis pas dans vos choses là, you say we are not in that you boasting, moi je ne suis pas dans vos choses des églises réveillées là, you say you are not in those things of born again churches, si toi tu préfères dire que moi je suis catholique, moi je pars déjà à la messe, if you say you are Catholic, you already go to church, si tu préfères dire que moi j'ai déjà ma manière moi de croire en Dieu, if you say you already have your way to believe in God, moi je ne suis pas dans vos choses là, that you are not in these things, mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, sache que tu as rejeté la vie, know that you have rejected life, sache que tu as rejeté la vie, know that you have rejected life, parce que celui qui refuse de donner sa vie à Jésus Christ a rejeté la vie, because whosoever reject to give his life to the Lord Jesus Christ has rejected life, celui qui refuse de donner sa vie à Jésus Christ a rejeté la vie, if you refuse to give your life to Jesus you have rejected life, celui qui refuse de croire en Jésus Christ a rejeté la vie, if you refuse to believe in the Lord Jesus Christ you have rejected life, c'est maintenant que tu dois accepter Jésus Christ dans ta vie, mon frère. It is now you need to accept the Lord Jesus Christ. C'est maintenant que tu dois recevoir Jésus Christ dans ta vie, ma soeur. It is now you need to accept the Lord Jesus Christ. Tu dois croire en Jésus Christ pendant que tu es dans ce monde. You need to believe in the Lord Jesus Christ while you are in this world. Parce qu'après la mort, tu ne pourras plus croire en Jésus Christ. Because after death, you will not be able to believe in him again. Après la mort, il n'y a plus de repentance. After death, there is no repentance. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde. After death, there is no mercy. Beaucoup de personnes disent que Dieu est amour. Many people will say God is love. Dieu est amour. God is love. Dieu sait que nous sommes faibles. That God says that we are. Dieu sait que nous sommes faibles dans ce monde. God knows that we are weak in this world. Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. People, God cannot send people to hell. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Laisse-moi te dire quelque chose. Allow us to tell you one thing. Je suis d'accord avec toi que Dieu est amour. We are okay with you that God is love. Mais l'amour de Dieu est disponible uniquement pendant que tu es encore dans ce monde. But the love of God is only available for you while you are in this world. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde. After death, there is no mercy. Je suis d'accord avec toi que Dieu est amour, mais je veux aussi te rappeler que Dieu est aussi un Dieu de justice. We are okay with you that God is love, but we will tell you also that God is a just God. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde. After death, there is no mercy. Lorsque tu fermeras les yeux, Dieu ne sera plus amour, il sera un Dieu de justice. After you die, God will not be a God of love, he will be a God of justice. Chacun va récolter ce qu'il a passé le temps à semer. Everyone will harvest what he has been planting. Il n'y aura plus de repentance. There will be no repentance. La repentance n'existe pas après la mort. There is no repentance after death. La repentance n'existe pas après la mort. There is no repentance after death. La miséricorde de Dieu n'existe pas après la mort. There is no mercy of God after death. C'est pendant que nous sommes dans ce monde que la miséricorde de Dieu est disponible pour nous. It is while we are in this world that the mercy of God is available for us. C'est pendant que nous sommes encore vivants dans ce monde que la miséricorde de Dieu est disponible pour nous. It is while we are alive in this world that the mercy of God is available for us. Après la mort, la miséricorde de Dieu s'arrête. After death, the mercy of God will stop. Chacun reçoit son salaire. And everyone will receive his salary. Chacun récolte ce qu'il a passé le temps à semer. Everyone will receive what he has paid his chacun time to. Chacun va récolter ce qu'il a en train de semer. Everyone will harvest what he has been planting. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Pendant que tu vis. While you are alive. Qu'est-ce que tu en train de semer? What are you planting? Qu'est-ce que tu en train de semer dans ta vie? What are you planting in your life? Qu'est-ce que tu en train de semer dans ta vie? What are you planting in your life? Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. La parole de l'Éternel déclare. The word of God declares. Qu'on ne se moque pas de Dieu. That you cannot mock God. C'est comme l'homme aura semé. Whatsoever a man plants. Il le moque.
moissonnera. That is why you will harvest. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. C'est pendant que tu es dans ce monde. If while you are in this world, tu sèmes la masturbation. You are planting masturbation. Tu te masturbes en désordre. You masturbate yourself in disorder. Tu prends ça comme un jeu. You take it like a joke. Alors que c'est l'abomination aux yeux de l'Éternel. And it's abomination before the eyes of God. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Sache que tu vas récolter la condamnation éternelle. Know that you will harvest it in hellfire. Parce que la parole de l'Éternel déclare que le salaire du péché c'est la mort. Because the word of God declares that the wages of sin is death. Et la mort selon Dieu c'est la condamnation éternelle. And death before God is everlasting condemnation. Ce n'est pas ce que toi tu connais, mon frère. It's not what you think you know. Qu'est-ce que tu sèmes pendant que tu es dans ce monde? What are you planting while you are in this world? Si pendant que tu es dans ce monde tu sèmes le mal, tu vas récolter la mort éternelle, mon frère. Et while you are in this world, you are planting evil, you will harvest everlasting condemnation. Qu'est-ce que tu sèmes pendant que tu es dans ce monde? What are you planting while you are in this world? C'est le moment d'abandonner les mauvais comportements. It is time for you to abandon your bad behavior. C'est le moment de changer de camp, mon frère. It is time for you to change your camp. C'est le moment de changer le camp, ma sœur. It is time for you to change your camp. Tu dois changer de camp avant qu'il ne soit trop tard. You need to change your camp before it be too late. Tu dois changer de camp avant qu'il ne soit trop tard. You need to change your camp before it be too late. Mon frère, ma sœur. My brothers and sisters. Je te le dis en vérité. Verily, we tell you. Toute personne qui vit comme elle veut. Anybody that lives the way he wants. Si pendant que tu es dans ce monde. Why you are in this world? Tu mènes ta vie comme tu veux. You live the way you want. Tu fais ce que tu veux. You do what you want. Je te le dis en vérité, tu es un serviteur de Satan. Verily, you are a servant of the devil. Parce qu'une personne qui vit comme elle veut va seulement obéir à la volonté de Satan. Because anyone living the way he wants, you only obey the will of the devil. Même quand tu vas croire que tu es en train de faire le bien, ça sera le mal que tu seras en train de faire. Even when you think you are doing good, it will be evil you are actually practicing. Si tu n'as jamais reçu Jésus Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur. If you have never received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. C'est le moment de le faire, mon frère. This is the time for you to go. Afin de changer de camp. So that you will change your camp. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Je te le dis en vérité. Verily, verily, we tell you. Pendant que nous sommes dans ce monde. While we are in this world. Nous sommes en même temps des serviteurs. We are the same time servants. Nous sommes en même temps des serviteurs. We are the same time servants. Nous savons tous qu'il y a deux divinités qui ont toujours dominé dans la vie des hommes. We know there are two powers that have ever dominated in this world. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. De qui es-tu serviteur? Who are you serving? Tu es serviteur de qui pendant who que tu es dans ce monde? Who are you serving while you are in this world? Qui es-tu en train de servir, mon frère? Who are you serving? Tu es en train de servir qui pendant que tu es dans ce monde? Who are you serving while you are in this world? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Is your life pleasing before God? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Is your life according to the word of God? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Is your life pleasing before God? Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Qui es-tu en train de servir? Who are you serving? Tu es en train de servir qui pendant que tu vis? Who are you serving with your life while you are alive? Si ta vie n'est pas agréable à Dieu. If your life is not pleasing before God. Si ta vie ne plaît pas à Dieu. If your life is not pleasing before God. Je te le dis en vérité, tu es en train de servir. Verily, verily, we tell you. Tu es en train de servir le diable sans le connaître. You are serving the devil without knowing. Tu es un serviteur inconscient de Satan sans le connaître. You are an unconscious servant of the devil without knowing. Si ta vie n'est pas agréable à Dieu. If your life is not pleasing before God. Si ta vie ne plaît pas à Dieu. If your life is not acceptable before God. Si pendant que tu es dans ce monde. If while you are in this world. Tu t'en fous de Dieu. You care less of God. Tu mènes ta vie comme tu veux. You live the way you want. Tu fais ce que tu veux. You do what you want. Tu montes, tu descends. You go up and down. Tu ne veux même pas connaître les choses qui concernent Dieu. You don't even want to know what concerns God. Lorsqu'on te parle même de Dieu, c'est comme si on élevait ta tension. When they talk of God, you are provoked to anger. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Si c'est ton cas. If it is your case. Sache que tu es un serviteur de Satan. Know that you are a servant of the devil. Et Jésus Christ veut te délivrer, mon frère. And Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ veut te délivrer, ma soeur. Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ veut te délivrer. Jesus Christ wants to deliver you. Toi qui vis sans te soucier de Dieu. For you that live without being mindful of the will of tu God. Tu mènes ta vie comme tu veux. You live your life the way you want. Tu fais ce que tu veux de ta vie. You do what you want of your life. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Tu es en train de servir le diable sans le connaître. You are serving the devil without knowing. Et si tu meurs étant serviteur de Satan, mon frère. And if you die as a servant of the devil. Tu passeras l'éternité aux côtés de Satan. You will spend your eternity in the sight of the devil. Tu passeras ton éternité auprès de ton père le diable. You will spend your eternity with your father the devil. C'est pour cela que le Seigneur pouvait nous dire quelque part que vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir sa volonté. That is why the word of God declares you are a child of the devil because you are doing the will of the devil. Celui qui désobéit à la parole de Dieu est automatiquement un serviteur de Satan. Anyone disobedient to the will of God is a child of the devil. Celui qui refuse de
D'obéir à la volonté de Dieu est automatiquement un serviteur de Satan. Everyone that refuses to do the will of God is a servant to the devil. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Les serviteurs de Satan ne sont pas seulement les satanistes et les sectaires. The servants of the devil are not only satanists and ritualists. Dans ce monde, il y a deux catégories de serviteurs de Satan. In this world, there are two categories of servants of the devil. Il y a les serviteurs conscients et les serviteurs inconscients. They are conscious servants and they are unconscious servants of the devil. Les serviteurs conscients, c'est ceux-là qui ont tissé des pactes avec le diable. The conscious servants are those that have make a pact with the devil. Les serviteurs inconscients, c'est ceux-là qui vivent comme ils veulent. Unconscious servants are those that live the way they want. Les serviteurs inconscients, c'est ceux-là qui mènent leur vie comme ils veulent. The unconscious servants of the devil are those that live life the way they want. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. À partir d'aujourd'hui, from today, si tu ne le savais pas, if you did not know, sache-le bien, mon frère. Know it well. Si tu vis comme tu veux, if you are living the way si you want. Si tu mènes ta vie comme tu veux, if you live your life the way you want. Tu t'en fous de Dieu, if you care less of God. Tu ne veux même pas savoir ce qui concerne Dieu. You don't even want to know what concerns God. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Sache-le bien que tu es un serviteur de Satan. Know it very well. You are a servant of the devil. Tu es un serviteur inconscient de Satan. You are an unconscious servant of the devil. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, mon frère. And that is why the Lord Jesus Christ died on the cross for you. Pour que tu ne sois plus serviteur de Satan. So that you will not be a servant of the devil. Tu dois croire en Jésus-Christ afin d'être libéré de cet esclavage. You need to believe in the Lord Jesus Christ so that you will be free from that slavery. Tu dois croire en Jésus-Christ afin de ne plus être serviteur de Satan. You need to believe in the Lord Jesus Christ so that you will no longer be a servant of the devil. Tant que tu vas demeurer dans ta vie, c'est bien fini. So long as you will continue living your life, dans ta vie mondaine, your worldly life, dans ta vie de plaisir, your life of pleasure, mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, tu seras toujours esclave de Satan. You will always be a servant of the devil. Tu seras toujours esclave de Satan. You will always be a servant of the devil. Tu seras toujours esclave du péché. You will always be a servant of the devil. Le péché va toujours te menacer. Sin will always have dominion over you. Le péché va toujours te menacer. Sin will always have dominion over you. Tu vas toujours faire ce que tu ne veux pas. You will always do what you don't want to do. Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters. Je ne connais pas ce que tu as déjà voulu lâcher dans ta vie. We don't know what you have already taken time to abandon in your life. Mais tu n'as pas pu. But you were unable. Je ne connais pas ce que tu as voulu lâcher dans ta vie. We don't know what you wanted to abandon. Mais tu n'as pas pu. But you were unable. Depuis les années, tu vis dans la prostitution. For many years, you have been living in prostitution. Tu as envie d'abandonner la prostitution, mais tu n'arrives pas. You want to abandon prostitution, but you are unable. Tu as même déjà fait les prières pour ça, mais tu n'arrives pas. You have tried to make prayers, but you are unable. Ma soeur, my brothers and sisters. Pour lâcher la prostitution. For you to abandon prostitution. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. You need to give your life to Jesus. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. You need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Afin qu'il brise le joug de la prostitution dans ta vie. So that he will destroy the yoke of the prostitution in your life. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally will tell you. Si c'est pas tes propres forces, tu ne vas jamais arriver. By your own power, you cannot. Je te le dis en vérité, en vérité. Very liberally will tell you. Tu ne vas jamais abandonner la prostitution par tes propres forces. You cannot abandon prostitution by your power. Lorsque je parle de prostitution, je ne parle pas seulement des femmes qui se tiennent au poteau la nuit. When you talk of prostitution, it's not only those that start by the road in the night. Ma soeur, toi également qui vis dans des rapports sexuels sans être marié. You can live in sexual, you commit sex without getting married. Tu n'es pas très différent de celle qui se place au poteau la nuit. You are not different from that prostitution that stands by the road. Devant Dieu, vous subissez la même sentence. Before God, you will face the same judgment. Alors devant Dieu, tu es aussi une prostituée. Before God, you are a prostitute. Mais Dieu ne vient pas te condamner, mon frère, ma soeur. But God has not come to condemn you. Dieu vient te présenter un plan de sortie. God comes to present to you a way of escape. Dieu vient te présenter un plan de sauvetage. God comes to present to you a way of escape. Afin d'être délivré de cette prison. So that you will be delivered from that prison. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur. You need to accept the Lord Jesus Christ in your life. Je te le tiens vérité, vérité. Very liberally will tell you. Je te le tiens vérité, vérité. Very liberally will tell you. Je te le tiens vérité, vérité. Very liberally will tell you. Personne qui pratique des rapports sexuels sans être marié. Everyone into sex without marriage. Est une prostituée devant Dieu. He is a prostitute before God. Je te le tiens vérité, vérité. Very liberally will tell you. Et Jésus-Christ va briser ce joug dans ta vie. And Jesus Christ wants to break that yoke in your life. Jésus-Christ va te délivrer aujourd'hui même. Jesus Christ wants to deliver you today. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Frère, ma soeur. My brothers, my sisters. C'est aujourd'hui que tu dois croire en Jésus-Christ. It is today you need to believe in the Lord Jesus Christ. Je te le tiens vérité, vérité. Very liberally will tell you. Peut-être que tu m'as dit que moi j'ai déjà des enfants avec ma femme. You already see, you say you already have children with that woman. C'est vrai, je ne l'ai jamais doté. You say no, you have never paid a bride price. Mais on a déjà des enfants. But you already have children. Dieu lui-même il va comprendre qu'on a déjà des enfants. That God will understand that you already have children. Donc notre vie c'est déjà comme ça. So your life is already like
like that. Mon frère, my brother, je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, tell you. C'est pas ce que tu penses qui peut changer la volonté de Dieu. It is not what you think that will change the will of God. Ce n'est pas la manière dont toi tu conçois les choses de ce monde qui va changer la réalité des choses spirituelles. It is not your choice of conception that will change the will of God. Le moment de te repentir, mon frère. It is time for you to repent. C'est le moment de te repentir, mon frère. It is time for you to repent. Tu dois te repentir et abandonner cette mauvaise pratique. You need to repent and abandon that evil. Depuis des années, tu vis avec cette femme. For many years, you have been living with that woman. Depuis des années, tu vis avec cette fille. For many years, you have been living with that girl. Parce qu'elle te parle même de ça. Dieu t'a envie de la gifler. When she talks to you, that God pay the price you want to slap. Parce qu'elle te pose la question comme tu peux voir mes parents quand. When she asks you, when will you go to meet my parents? C'est là que ta tension monte. That is where your tension will rise. Mon frère, my brother, je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu ne te repens pas, mon frère. If you don't repent. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Ça va te coûter très cher. You will be very expensive. Maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. Et Jésus Christ est prêt à t'aider si tu te repens. And Jesus Christ wants to help you if you are ready to repent. Si tu te repens aujourd'hui, Dieu va te donner des moyens afin que tu partes la doter. If you repent today, the Lord will help you to find means to go and pay Adamu. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Accepte Jésus Christ dans ta vie et tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Accept the Lord Jesus Christ and you accomplish your plans. Prends l'engagement de donner ta vie à Jésus Christ et tu seras sauvé, mon frère. Take an engagement to follow the Lord Jesus Christ and you will be saved. Prends l'engagement de donner ta vie à Jésus Christ et tu vas accomplir tout ce que tu veux. Take an engagement to follow the Lord Jesus Christ and you will do what you want. Verily, verily, we tell you. Jésus Christ est prêt à t'aider aujourd'hui. Jesus Christ is ready to help you. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu te repentes, mon frère. But what is expecting of you is for you to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Si tu ne te repens pas. If you don't repent. Si tu préfères continuer dans cette vie de concubinage. If you continue to live in that life of the concubine life. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Non seulement vous aurez toujours les problèmes tous les jours. Not only you have problems every day. Et vous n'aurez jamais la paix. And you will never have peace. Parce que un foyer qui est construit par la par le concubinage est organisé et dirigé par les mauvais esprits. Because a household that is in is a concubine household is directed by the devil. C'est toujours les démons, les mauvais esprits qui vont diriger votre vie. Only demons and evil spirits will direct your life. Ils seront toujours au contrôle de ton foyer. They will control your household. Chaque fois tu vas toujours pensionner sur ta femme, tu ne vas même pas connaître comment ça s'est passé. And every time you pick that woman, you will not even know what has happened. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Si tu quittes ce monde dans cet état, and if you leave this world in that state, mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, ce n'est pas bien pour toi. C'est pour cela que tu dois te repentir, mon frère. That is why you need to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois accepter Jésus Christ, mon frère. You need to accept the Lord Jesus Christ. Accepter Jésus Christ, mon frère. You need to accept the Lord Jesus Christ. On parle de Jésus Christ. When we talk of the Lord Jesus Christ, on parle de la liberté, mon frère. We talk of liberty. Si tu reçois Jésus Christ dans ta vie, tu ne seras plus esclave du péché. If you receive the Lord Jesus Christ, you will not be a slave to sin. Jésus Christ est venu dans ce monde pour nous libérer du péché, mon frère. Jesus Christ came to this world to liberate. C'est la raison pour laquelle il a versé son sang. That is why he shed his blood for us. Pour qu'on ne soit plus esclave du péché. So that we will not be slave to sin. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Nous qui sommes devant toi aujourd'hui. We that are before you today. On était aussi comme toi. We were like you. On vivait aussi dans la fornication. We were living in fornication. On vivait aussi dans la pudicité. We were living in immorality. On vivait aussi dans le panditisme, le vol. We were living in sin in an unbelief. On était aussi des malhonnêtes. We were dishonest people. On était aussi des prostituées. We were also prostitutes. On était aussi des impudiques. Mais Jésus Christ nous a fait la grâce de le connaître. Jésus Christ nous a fait la grâce d'être libérés. Jesus Christ gave us the grace to liberate us. Et si tu nous vois aujourd'hui devant toi avec des plaques, and if you see us today before you, si tu nous vois aujourd'hui devant toi avec un pamphlet, if you see us today before you with speakers, c'est parce que Jésus Christ veut te faire la même grâce. It's because the Lord Jesus Christ wants to accomplish the same grace in your life. Jésus Christ veut te faire la même grâce. Jesus Christ wants to give you the same grace. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Jésus Christ veut briser le joug du péché dans ta vie. Jesus Christ wants to destroy the yoke of sin in your life. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready.
dit, tu délivres les choses. Je te le dis en vérité, en vérité. Depuis les années, for many years, pour toi qui es marié, mon frère, for you that is married, depuis les années, tu trompes ta femme. For many years, you have been cheating on your wife. Toi-même, déjà pris l'engagement que je ne vais plus jamais la tromper. You took an engagement that you will never cheat her. Mais tu te retrouves toujours qu'elle l'a trompé. But you are always cheating on your wife. Lorsqu'une femme passe devant toi, tu n'arrives pas à résister. When a woman passes before you, you cannot resist. Mon frère, ma soeur. My brother, my sisters. Mon frère. My brother. C'est parce que tu as le mauvais esprit. It's because you're having demons. Et Jésus qui veut te délivrer aujourd'hui. And Jesus Christ wants to deliver you. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, we tell you. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Toi également, ma soeur. You, my sister. Depuis des années. For many years. Tu t'es marié. You have been married. Mais tu es toujours en train de tromper ton mari. But you always cheating on your husband. Tu es toujours en train de tromper ton mari. You always cheating on your husband. Tous les jours, tu dis, je vais abandonner, je ne vais plus tromper mon mari. Every day you say you abandon, you never cheat on your husband. Et quand un homme se pointe devant toi, tu tombes. But when a man stands before you, you will fall. C'est parce que tu as le mauvais esprit. It's because you have an evil spirit. Et Jésus Christ veut te délivrer aujourd'hui. And Jesus Christ wants to deliver you today. Il est prêt à te délivrer maintenant. He is ready to deliver you now. Il est prêt à te délivrer maintenant. He is ready to deliver you now. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu dois te repentir de cette mauvaise pratique. You need to repent from that evil practice. Pour toi qui trompes ta femme. You that is cheating on your wife. Repent-toi, mon frère. Repent. Repent-toi, mon frère. Repent. Et abandonne cette abomination. And abandon the abomination. Abandonne cette abomination. Abandon that abomination. Accepte Jésus Christ. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu ne vas plus jamais tromper ta femme. And you will never cheat on your wife. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu ne seras plus attiré par les femmes de dehors. And you will not be attracted by the women of outside. Accepte Jésus Christ. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu ne seras plus attiré par les femmes de dehors, mon frère. You will not be attracted by the women outside. Je te le tiens en vérité, en vérité. Very, 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 we tell you. Je te le tiens en vérité, en vérité. Very, 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 we tell you. Tu acceptes Jésus Christ dans ta vie, mon frère. If you accept the Lord Jesus Christ in your life. Toi qui trompes ta femme. You that is cheating on your wife. Jésus Christ va te délivrer des mauvais esprits qui font que tu trompes ta femme. Jesus Christ will deliver you from those evil spirits that are causing you to cheat on your wife. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Tu seras délivré. And you will be delivered. Toi également, ma soeur. You, my sister. Tu trompes ton mari. You are cheating on your husband. Toi-même, tu as aussi les mauvais esprits. You also have evil spirit. Tu as les démons en toi. You have demons in you. Et Jésus Christ est venu pour te délivrer aujourd'hui. And Jesus Christ has come to deliver you today. Jésus Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ is ready to deliver you today. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Et tu seras délivré de l'adultère. And you will be delivered from adultery. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Mon frère, ma soeur. My brother and sisters. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus Christ. Today, when they talk of the Lord Jesus Christ. Beaucoup de personnes prennent ça comme des banalités. People take it to be useless. Pendant qu'on parle de Jésus Christ, plusieurs personnes nous regardent comme des guignols. When we talk of the Lord Jesus Christ, you look at us as foolish people. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, plusieurs personnes pensent qu'on a perdu la raison. When we talk of the Lord Jesus Christ, you think we have lost our memories. Donc, c'est ça même que me regardez-moi cela. But some people are going to exclaim that look at those people. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? What are they doing like that? Est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Yeah, they don't have anything to do. Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là? What is happening with these young people? Ils ont perdu la raison ou quoi? They have lost their memories or what? Qu'est-ce qui ne va même pas avec les églises de réveiller là? What is even happening with those born again churches? Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Si c'est ce que tu en quel est-il? That is what you are saying. Sache que tu es animé par les mauvais esprits. Know that you are provoked by evil spirits. Et ces mauvais esprits-là t'empêche de voir la réalité des choses. And those evil spirits are stopping you from seeing the realities. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Hier, nous aussi on pensait comme toi. Yesterday we were thinking like you. Nous aussi on pensait comme toi. We were thinking like you. Que les gens qui parlent de Jésus-Christ sont des déréglés. That people that are talking of the Lord Jesus Christ, they are insane people. Que les gens qui parlent de Jésus là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est des bandits. That people talking about the Lord Jesus Christ, they have nothing to do in their thieves. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, nous aussi on pensait comme toi. We were thinking like you. On pensait qu'on était sages. We thought that we were wise. Alors qu'on était des prophètes. Where of which we were the most. We are the most strong people. Le Seigneur dit quelque chose dans sa parole. The Lord makes us to understand something is wrong. If somebody thinks he's wise. Selon les critères du monde présent. Concerning the present world you are in. Qui devient fou afin de devenir sage. Let him be foolish so that he will be wise. Car la sagesse des hommes est toute folie devant eux. Because the wisdom of men is foolishness before God. Pour le moment, tu penses peut-être qu'on a perdu la raison, mon frère. For the moment, you think we have lost our senses. Le gouvernement dit qu'on a été vendu.
Mais some will say that we are they have sold us out. Maybe you will say they have sold these people, they have already eaten their place. You give you a reason for that. On a été vendu, mon frère. We have been sold. On nous a vendu. They sold us. Et il y a quelqu'un qui nous a acheté. There is somebody that bought us. Cette personne là, c'est Jésus Christ. And that person is the Lord Jesus Christ. Cette personne là, c'est Jésus Christ. That person is the Lord Jesus Christ. Si tu vas avoir la vie éternelle, on doit te vendre, mon frère. If you want to have the Lord Jesus Christ, they need to sell you. Parce que Jésus Christ vient t'acheter. So that the Lord Jesus Christ will buy you. Je te le dis en vérité, en vérité. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Si tu continues à dire que toi tu es sage. If you continue to say you are wise. Que toi tu n'es pas dans les choses là. That you are not in those things. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tu seras coincé. You will be hooked up. Tu seras coincé. You will be hooked up. Tu seras coincé, mon frère. You will be hooked up. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Mets d'abord ta sagesse à côté. Put your wisdom aside. Peut-être tu vas dire que moi j'ai fréquenté et moi je n'ai pas besoin de ces choses là. Maybe you say you have gone to school, you are educated, you don't need these things. Peut-être tu dis moi j'ai les diplômes, je ne suis pas dans vos bêtises de Jésus, Jésus, Jésus là. Maybe you say you are having degrees, you don't need Jesus. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tes diplômes sont utiles uniquement dans ce monde. Degrees are only useful in this world. C'est uniquement dans ce monde que tes diplômes peuvent te servir. It is only in this world that your degrees can be useful to you. Quel que soit ce que tu as reçu dans ce monde. Whatever you have received in this world. Ce n'est que dans ce monde que ces choses peuvent te servir. It is only in this world that those things can be helpful and useful to you. Mais lorsque tu quitteras ce monde. But when you leave this world. Ces choses ne te serviront plus à rien. Those things will not serve you in anything. Ces choses ne te serviront plus à rien. Those things will not help you in anything. À ce moment-là, tu auras besoin de Jésus. At that time, you will need the Lord Jesus Christ. Tu auras besoin de Jésus Christ. You will need the Lord Jesus Christ. Mais c'est maintenant que tu dois l'accepter. But it is now you need to accept it. C'est maintenant que tu dois l'accepter. This is the time to accept it. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Maintenant qu'il te faut accepter Jésus Christ. It is now you need to accept the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi aujourd'hui que la vie est tellement difficile. You know that life is very strong. Aujourd'hui, la vie est tellement compliquée. You know that life is very complicated. Au fur et à mesure que les années avancent, la vie devient de plus en plus difficile. As life is going by, life is becoming very difficult. Tu viens même au marché pour vendre, tu ne vends même pas. Tu ne vends même pas. You come to the market even to sell, things are very difficult. Cherche même à t'en sortir, c'est toujours compliqué. You seek even to how you are going to survive, things are very difficult. Tu te bats même avec ta petite brouette, tu n'arrives même pas à t'en sortir. You fight with even your small wheelbarrow, you are unable to cope. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Laisse-moi te dire quelque chose. Allow us to tell you one thing. C'est maintenant que tu dois prendre l'engagement d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. This is the time to take an engagement to follow the Lord Jesus Christ. Parce que ce n'est pas le fait d'être pauvre dans ce monde qui va faire en sorte que Dieu t'accepte au paradis. It is not because you are poor in this world that God is going to accept you in heaven. Ce n'est pas parce que ta vie était compliquée dans ce monde que Dieu va t'accepter dans son royaume lorsque tu partiras. It is not because you had a complicated life here on earth that God will accept you on the last day. Ce n'est pas parce que tu es pauvre dans ce monde que lorsque tu vas mourir, Dieu va t'accueillir dans son royaume. It is not because you are poor in this world that on the last day God will have pity on you to accept you in heaven. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Quelle que soit ta manière de vivre présentement. Whatsoever be the life you are living presently. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. You need to accept the Lord Jesus Christ. La vie est devenue difficile. Life is only difficult. Nous sommes d'accord avec ça. We are okay with that. Mais ça sert à quoi de souffrir dans ce monde et d'aller encore souffrir en enfer au siècle des siècles? But why should you suffer in this world and still go and suffer forever and ever in the empire? Imagine que tu vas aller te retrouver en enfer avec les milliardaires qui étaient des satanistes. Imagine that you will go and suffer here with the millionaires that were witches and occultists. La parole de l'Éternel nous déclare que l'âme qui pêche est elle qui mourra. The word of God declares to us that the soul that sin is that which is going to die. Donc si tu vis dans le péché et que tu es pauvre, mon frère, ça ne, tu vas rien, tu vas toujours aller en enfer. If you are living a sinful life, though you are poor, you will still go to hell. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que Dieu va t'accepter. It's not because you are poor that God will have pity on you. Que tu sois riche ou pauvre, si tu es un pécheur, tu vas partir en enfer. Whether you are rich or poor, if you are a sinner, you go to hell. Mais pour toi qui es pauvre dans ce monde. But for you that is poor in this world. Imagine un peu que tu vas aller te retrouver en enfer avec des satanistes qui avaient des milliards dans ce monde. Imagine that you go, then you go and find yourself with satanists that have made millions in this world. You go and meet them in hellfire. C'est ça quoi de souffrir dans ce monde pour rien et d'aller en enfer encore. Why should you suffer in this world and still go to hell? Le sataniste au moins
Lui m'a dit que bon, moi je suis, moi j'ai volé l'argent de l'État. Moi je buvais le sang, oui. Je reconnais quand même que je mérite quand même l'enfer. The satanists and the cultists, they are going to say no, at least they are drunk blood on earth and they are gone to earth. There is no problem. Mais toi mon frère, that you my brother. Tu viens te battre au marché Mbombi. You come here to fight for your life. La pluie te tabasse même avec ton petit commerce. The rain is going to beat you with your small commerce. Et tu continues à vivre selon les désirs de ton cœur. And you still choose to live according to the desires of your heart. Après lorsque ton temps arrive, Dieu te dit que tu ne peux pas entrer dans mon royaume. After when your day of death comes, the Lord tells you cannot enter the kingdom of God. Parce que tu as refusé de te repentir. Because you refuse to repent. Mon frère, my brother, à quoi cela sert-il? Why should you suffer that way? Ça sert à quoi mon frère? Why will it help you? Ça sert à quoi de vivre alors mon frère? Why do you even live? Tu vis dans la souffrance dans ce monde et puis tu tombes encore en enfer au dernier jour. You live in suffering in this world and then you still go to hell. Ça sert à quoi de souffrir dans ce monde et d'aller encore souffrir à l'enfer? Why should you suffer in this world and still go and suffer in hell? C'est au moins, c'est pas mieux de vivre dans le luxe dans ce monde et d'aller à l'enfer après. Some people will even say it's better for you to live a luxurious life here and go to hell. C'est encore un peu mieux comme ça. Some people say it's better. Mais tu souffres dans ce monde. But you suffer in this world. Tu as même du mal à trouver la nourriture. You are even having a challenge to find food. Et puis tu peux encore souffrir en enfer. And you still go to hell. Ça servit à quoi de vivre, mon frère? Why did you even live? Ça servit à quoi de venir dans ce monde? Why did you even come to this world? Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Pendant que tu as encore un peu de temps. While you are still having a little bit of time. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Pendant que tu es vivant. While you are alive. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Pendant que tu es vivant, ma soeur. While you are alive. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accept the Lord Jesus Christ. Maintenant que tu vas te repentir. It is now you need to repent. Le moment de la repentance est arrivé. The time for repentance has come. Le moment de la repentance est arrivé. The time for repentance has come. Le moment d'abandonner le péché est arrivé. The time to abandon sin has come. Le moment d'abandonner le plaisir du monde est arrivé. The time to abandon the pleasures of this world has come. Tu as longtemps vendu ton corps aux hommes comme ça, ma soeur. You have sold your body to the devil for long. Tu as longtemps vagabondé comme ça, ma soeur. You have so long you committed abominations. C'est le moment de te repentir. It is time to repent. C'est le moment de te repentir. It is time to repent. Et d'accepter Jésus-Christ. And to accept the Lord Jesus Christ. De croire en Jésus-Christ. And to believe in the Lord Jesus Christ. C'est le moment de te repentir. It is time to repent. Et de croire en Jésus-Christ. And to believe in the Lord Jesus Christ. Et de croire en Jésus-Christ. And to believe in the Lord Jesus Christ. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère. Jesus Christ came for you. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère. Jesus Christ came for you. Il est venu pour toi. He came for you. Il est là pour toi. He is here for you. Il est prêt à te restaurer aujourd'hui. He is ready to restore you today. Il est prêt à te restaurer aujourd'hui. He is ready to restore you today. Il est prêt à te délivrer aujourd'hui. He is ready to deliver you today. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Depuis les années, tu vis dans le banditisme, mon frère. For years you have been an armed robber. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est temps d'abandonner ça? Are you not seeing that it is time for you to abandon it? Depuis les années, tu vis dans la malhonnêteté. For years you have been living in dishonesty. Tu vis dans le mensonge. You live in licensing. Tu vis dans le voyeurie. You live in drunkenness. Ta vie, c'est le bar, les boîtes de nuit. Your life is bar to bar and nightclub to nightclub. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps d'abandonner ça? Are you not seeing it is time for you to abandon? Parce que j'ai mérité le salaire de toutes ces choses, c'est la condamnation. Because we tell you for the truth, the end of all of those things is condemnation and hellfire. Le salaire de toutes ces choses est la condamnation éternelle. The payment of all of those things is condemnation and hellfire. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est temps d'abandonner ces choses? Are you not seeing it is time to abandon all of those things? C'est plus que tu vis dans ces abominations. For many years you have been living in those abominations. Tu sors tous les nuits. Every night you go out. Tu bois comme tu veux. You drink the way you want. Tu montes, tu descends avec les prostituées. You go up and down with prostitutes. Malgré toutes ces abominations. With all of those abominations. Dieu te maintient toujours en vie. God keeps you alive. Malgré toutes ces abominations. With all of those abominations. Parce que si tu tombes malade, tu guéris toujours. When you fall sick, the Lord will heal you. Malgré cette mauvaise manière de vivre. With all of that evil way of life. Quand tu fais même un accident, Dieu te pend. When you make an accident, the Lord will spare you. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps d'abandonner cette mauvaise manière de vivre? Don't you think it is time for you to abandon that evil way of life? Je te rappelle que celui qui vit dans le péché est vulnérable. We remind you that the person that is living in sin is vulnerable. N'importe quoi peut lui arriver, n'importe quel moment.
happen to that one at any time. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Anything can happen to that one at any time. Lorsque tu vis dans le péché, mon frère, where you live a sinful life, tu peux mourir à n'importe quel moment avant même ton temps. You can die at any time, even before your time. Parce que tu es comme un mouchoir dans la peau de Satan. Because you are like a handkerchief in the hands of the devil. À n'importe quel moment, il peut se moucher avec toi. At any time, he can use you. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, c'est maintenant que tu dois croire en Jésus. This is the time to believe in the Lord Jesus. Maintenant qu'il te faut croire en Jésus. It is the time for you to believe in the Lord Jesus. Le moment de mettre ton incrédulité à côté. It is time to put your unbelief aside. Mets ton incrédulité à côté et accepte Jésus qui est dans ta vie. Put your unbelief aside and believe in the Lord Jesus Christ. Mets ta sagesse à côté et accepte Jésus qui est dans ta vie. Put your wisdom aside and accept the Lord Jesus Christ in your life. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters. Marie Suzanne. Je te le tiens en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. Peut-être que tu me dis que moi je suis encore jeune, je ne peux pas. Je suis encore jeune, j'ai encore la vie. Maybe you will tell us you are still young, you don't need all of these things in your life. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, si il y avait un âge pour mourir, les enfants n'allaient pas mourir. If there was age for death, little children will not die. Si il y avait un âge pour mourir, les nouveaux-nés n'allaient pas mourir. If there was an age for death, newborn babies will not die. Alors si tu refuses de croire en Jésus-Christ sous prétexte que tu es encore jeune, tu fais erreur. And if you refuse to believe in the Lord Jesus Christ that you are still young, you are making a mistake. Si tu refuses de croire en Jésus-Christ parce que tu dis que moi je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de temps, tu fais erreur. If you refuse to believe in the Lord Jesus Christ on the pretext that you are still young and you are still having much time on earth, you are making a mistake. Je te le tiens véritable, véritable. Very, 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 tell you. Je te le tiens véritable, véritable. Very, 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 tell you. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je te le tiens véritable, véritable. Very, 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 tell you. Jésus-Christ veut que tu te répandes, mon frère. Jesus Christ wants you to repent. Mais je me demandais que je dois me repentir parce que j'ai fait quoi? You will ask yourself why should what you repent from? Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, tu dois te repentir parce que tu es un pécheur. You need to repent because you are a sinner. Tu dois te repentir parce que tu es un pécheur. You need to repent because you are a sinner. Tu as besoin de Jésus qui est dans ta vie. You need the Lord Jesus Christ in your life. Tu dois accepter Jésus qui est dans ta vie avant de recevoir son pardon. You need to accept the Lord Jesus Christ so that you obtain His forgiveness. Tu dois recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to receive the forgiveness of God. Parce que tes péchés te rendent désagréable à Dieu. Because your sin made you to be rejected by God. Tes péchés te rendent ennemi de Dieu. Your sins make you to be an enemy to God. Le Seigneur nous dit clairement que celui qui se fait ami du monde se rend en même temps ennemi de Dieu. The Lord makes us understand any man that will be a friend to this world is an enemy to God. Celui qui vit selon les désirs de son cœur dans ce monde se rend en même temps ennemi de Dieu sans le savoir. Any man living according to the desire of his heart is making himself an enemy to God. Tu dois vivre comme tu veux. You don't live the way you want. Tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. You think you are free to do whatever you want. Tu mènes ta vie comme tu veux. You live your life the way you want. Tu fais ce que tu veux. You do what you want. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, sache-le bien. Know it very well. En vivant ainsi, by living that way, tu te rends aussi en même temps ennemi de Dieu. You are making yourself an enemy to God. Tu te rends en même temps ennemi de Dieu. You are making yourself an enemy to God. Le Seigneur nous dit encore que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. And the Lord makes us to understand whosoever is not with him is against him. Ça veut dire que par ta vie de péché, tu as qu'à le combattre Dieu. It means that your simple life, you are fighting against God. Dieu dit ne fais pas ça, toi tu fais. The Lord said, don't do this, you do. Tu es rebelle devant Dieu. You are a rebellious people. Et le traitement de tous les rebelles, c'est la condamnation éternelle. And the treatment for every rebellious person is everlasting condemnation. Mais le Seigneur ne vient pas te juger, mon frère. But the Lord has not come to judge you. Dieu ne vient pas te juger. God has not come to judge you. Il sait que tu fais ces choses par ignorance. He knows you are doing all of those things by ignorance. Mais aujourd'hui, il vient te révéler la vérité. But today he comes to reveal to you the truth. Il a dit dans sa parole que vous connaissez la vérité vous affranchit. He says in his word, you will know the truth, and the truth will make you free. C'est pas la vérité que tu peux être sauvé, mon frère. It is by the truth that you can be saved. Il y a que la vérité qui peut être délivré de cette ignorance. Only the truth can deliver you from ignorance. Lorsqu'on parle de Jésus Christ, on parle de vérité, on parle de Jésus Christ. When we talk of truth, we talk of the Lord Jesus Christ. Vous savez qu'il pouvait dire je suis le chemin, la vérité et la vie. That is why he says he is the way, the truth and the life. L'un des noms de Jésus Christ c'est la vérité, mon frère. One of the names of the Lord Jesus Christ is the truth. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. Et tu seras délivré. And you will be delivered. Accepte Jésus Christ, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu seras délivré. And you will be delivered. Accepte Jésus Christ, ma sœur. Accept the Lord Jesus Christ. Et tu seras délivré. And you will be delivered. Crois en Jésus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Pendant que tu es vivant. While you are alive. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Crois en Jésus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Pendant que tu es vivant. While you are alive. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters. Je te le tiens en vérité. Verily, verily, we tell you. Pour le moment. For the moment. Beaucoup de personnes pensent que. Many people think. Dieu n'existe pas. That God does not exist. Pour le moment, plusieurs personnes pensent que l'enfer, le paradis, est dans ce monde. Many people think that hellfire and hell is in this one.
Mon frère, ma soeur, my brothers, my sisters, ce n'est pas ce que toi tu penses qui va changer les choses. It is not what you think that is going to change the reality of things. Ce n'est pas ce que tu penses qui va changer l'ordre spirituel de Dieu. It is not what you think that is going to change the truth of things. Si tu penses que l'enfer et le paradis c'est dans ce monde, ça c'est ta pensée. If you think heaven and heaven is in this world, that is only your thought. Tu penses ainsi parce que c'est ton cerveau qui te pousse à penser ainsi. You think like that because you are limited by your brain. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, I tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu as besoin de Jésus. You need the Lord Jesus Christ. Parce que l'enfer est une réalité. Because hellfire is a reality. Lorsqu'on parle de l'enfer, on parle d'une réalité, mon frère. When we talk of hellfire, we talk of reality. Lorsqu'on parle de l'enfer, on parle d'une réalité. When we talk of hellfire, we are talking of reality. L'existence des humains est limitée dans ce monde. The existence of human beings is limited in this world. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Ton existence est limitée dans ce monde. Your existence is limited. Mais lorsque tu quitteras ce monde, tu vas continuer à vivre quelque part. But when you leave this world, you will continue your life somewhere else. Ta manière de vivre dans ce monde va déterminer ton sort final. But your way of life on this world will determine your final destination. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Un jour tu vas quitter ce monde. One day you will leave this world. Mais c'est maintenant que tu dois connaître où tu vas partir. It is now you need to choose where you are going. C'est maintenant que tu dois connaître où tu vas partir. It is now you need to choose where you are going. C'est maintenant que tu dois connaître où tu vas partir. This is the time for you to know where you are going. C'est maintenant qu'il te faut connaître où tu vas partir. This is the time for you to know where you are going. C'est pendant que nous sommes dans ce monde qu'il nous faut choisir. It is why we are in this world that we need to choose. C'est pendant que nous sommes vivants qu'il nous faut choisir. It is why we are alive that we need to choose. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons savoir où notre âme passera l'éternité. It is why we are alive that we need to know where our souls will spend its eternity. Ton âme vivra éternellement, mon frère. Your soul will live eternally. Peut-être tu penses que ta vraie personnalité c'est comme tu es là. Maybe you think your real personality is what you are. Ce que tu vois présentement là n'est qu'une enveloppe qui transporte ton âme. What you are seeing now is just an envelope that carries your soul. Ce que tu vois présentement là n'est qu'une enveloppe qui te permet de vivre dans le globe terrestre. The body you see now is just an envelope that carries your soul for you to live on this earth. Le corps que tu as présentement te sert uniquement à vivre dans ce monde. The body you are having presently just helps you to live presently in this world. En dehors de ce monde, ce corps ne peut plus vivre. Out of this world, this flesh will no longer live. C'est pour cela que si une personne sort du globe terrestre, elle ne pourra plus respirer. That is why if a man lives out of this globe, he will not be able to breathe. Parce qu'il n'y a que les esprits, qui vivent là-bas. Because only a spirit can live that way. C'est maintenant que tu dois te repentir. This is the time for you to repent. Parce que ce que tu as en toi vivra éternellement. Because what you have in you will live forever. C'est pendant ton corps est en train de sceller le sort de ton âme. But in the meantime, your body is determining your judgment. Par ta manière de vivre, tu es en train de sceller le sort de ton âme. By your way of living, you are sealing your judgment. Ton âme vivra éternellement. Your soul will live everlasting. Ton âme va vivre éternellement quelque part. Your soul will live eternally somewhere. Cependant, c'est pas ta manière de vivre dans ce monde qui va déterminer où ton âme vivra éternellement. It is by your way of life here on earth that will determine where you are going to live eternally. Quelle est ta manière de vivre, mon frère? How are you living your life? Quelle est ta manière de vivre, ma soeur? How are you living your life? Quelle est ta manière de vivre dans ce monde? How are you living your life? C'est maintenant que tu dois changer de vie. It is that you need to change your way of life. Parce que pas ta manière de vivre, tu es en train de condamner ton âme. Because by your way of life, you are condemning your soul. Si pendant que tu es dans ce monde, tu t'en fous de Dieu, tu es en train de sceller le sort de ton âme. And while you are in this world, you care less of God, you are condemning your soul. Ton âme passera l'éternité dans les ténèbres. Your soul will spend its eternity in hell. Ton âme sera torturée au siècle des siècles. Your soul will be tortured forever and ever. À cause de la manière dont tu as vécu dans ce monde. Because of the way you have been living life on earth. À cause de la manière dont tu as vécu dans ce monde. Because of the way you are living life on earth. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Ne continue pas à sceller le sort de ton âme. Don't continue condemning your soul. Pas ta manière de vivre. By your way of life. Ne continue pas à condamner ton âme pour l'enfer. Don't continue condemning your soul for hellfire. Pas ta manière de vivre. By your way of life. Parce que pas ta manière de vivre, tu es en train de sceller le sort de ton âme. Because by your way of life, you are condemning yourself. Une vie de péché est une abomination aux yeux de l'Éternel. A simple life is an abomination before God. Et quiconque vit dans l'abomination sera rejeté par Dieu. And whosoever is living an abominable life will be rejected by God. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brothers, my sisters. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, I tell you. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. It is now you need to believe in the Lord Jesus Christ. Parce qu'en dehors de Jésus Christ, il n'y a pas de vie. Because out of Jesus Christ, there is no life. Il n'y a pas de vie sans Jésus Christ, mon frère. There is no life without the Lord Jesus Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus Christ, ma soeur. There is no life without the Lord Jesus Christ. Pour le moment, tu penses tout semble simple. For the moment, you think everything is simple.
tout semble simple maintenant. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. For the moment, you are seeing as if you don't have any problem. Pour le moment, on pense que non, tout va bien. For the moment, you think everything is fine. Pour le moment, on croit que tout va bien. For the moment, you are seeing like everything is fine. Parce que le boulot, ça donne. Because your job is giving. Le foyer, ça donne. Because your household is fine. You have children. Le business tourne bien. All of your businesses are telling well. À cause de ça, on pense que tout va bien. Because of that, you think everything is fine. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Tout ne va pas bien. Everything is not fine. Je te le dis en vérité. Valérie will tell you. Tout ne va pas bien. Everything is not fine. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tout ne va pas bien. If you are not in peace with God, everything is not fine. Si ta vie n'est pas agréable à Dieu, tout ne va pas bien. If your life is not pleasing before God, nothing is fine for you. Si tu n'as jamais accepté Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, tout ne va pas bien. If you have never accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, things are not fine. Si tu n'as jamais reçu Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, tout ne va pas bien. If you have never received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, everything is not fine. Quel que soit ce que tu penses, whatever you may think, tout ne va pas bien. Everything is not fine. Tout ne va pas bien, mon frère. Everything is not moving. Tu dois accepter Jésus qui est dans ta vie. You need to accept the Lord Jesus Christ. Tu dois recevoir la vie de Jésus Christ. You need to receive the life of the Lord Jesus Christ. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Parce que le plus important c'est le salut de ton âme. Because the most important is the salvation of your soul. Le plus important c'est le salut de ton âme. The most important is the salvation of your soul. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Ton âme a besoin de Jésus. Your soul needs the Lord Jesus Christ. Ton âme a besoin de Jésus. Your soul needs the Lord Jesus Christ. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Ton âme a besoin de Jésus. Your soul needs the Lord Jesus Christ. Mais ton corps n'a pas besoin de Jésus. But your flesh does not need Jesus. Ta chair n'a pas besoin de Jésus. Your flesh does not need Jesus. Mais ton âme a besoin de Jésus. But your soul needs Jesus. Si tu pensais que tu n'as pas besoin de Jésus Christ, c'est parce que c'est ton cerveau qui t'oriente à dire ça. If you think you don't need the Lord Jesus Christ, it is your, you are limited by your brain. Ton cerveau dépend de ta chair. Your brain is dependent on your flesh. Mais ton cœur a besoin de Jésus. But your heart needs the Lord Jesus Christ. Ton cœur a besoin de Jésus. Your heart needs the Lord Jesus Christ. Tu as besoin de Jésus. You need the Lord Jesus Christ. Tu as besoin de Jésus Christ. You need the Lord Jesus Christ. C'est maintenant qu'il te faut croire en Jésus. It is time for you to believe in the Lord Jesus Christ. Crois en Jésus Christ, ma sœur. Believe in the Lord Jesus Christ. Depuis des années, on te parle de Jésus Christ. For many years that you are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Je ne connais pas le nombre de fois que tu as déjà entendu parler de Jésus. We don't know the number of times they have preached to you the gospel of the Lord Jesus Christ. Je ne connais pas le nombre de fois que tu as déjà prêché l'évangile. We don't know the number of times they have preached this gospel to you. Je ne connais pas le nombre de fois que Dieu t'a déjà interpellé. We don't know the number of times God has called your attention. Je ne connais pas le nombre de fois que Dieu t'a déjà appelé à changer de vie. We don't know the number of times God has called you to change your way of life. Je ne connais pas le nombre de fois que tu as déjà vu les gens parlaient de Jésus. We don't know the number of times you have heard the gospel of the Lord Jesus Christ. C'est plus les années tu as endurci le cœur. But for many years you are hardening in your heart. Tu refuses de croire en Jésus Christ. You refuse to believe in the Lord Jesus Christ. Dieu t'appelle à changer de vie, tu refuses d'accepter. Jesus called your attention to change your way of life. You refuse. Je te rappelle que lorsque tu entends parler de Jésus Christ, c'est une interpellation. When we remind you that when you hear the gospel of the Lord Jesus Christ, it lorsque, is a call. Lorsque tu entends parler de Jésus Christ quelque part, c'est une interpellation que Dieu te fait. When you hear the gospel of the Lord Jesus Christ, it is God that is calling you. Mais depuis des années, Dieu t'interpelle, tu fais la sourde oreille. For many years, God has been calling for you and you are turning deaf ear. Depuis des années, Dieu t'appelle à changer de vie, tu fais comme si tu n'entends pas. For many years, God is calling your attention for you to change your way of life. You are making that you are not yet. Quand tu passes, tu dis, regardez-moi ce fou là. When you pass, you say, look at me, those smart people. Tu penses être sage. You think you are wise. Parce que pour le moment, tu as un peu les moyens. Because for the moment, you are having a little bit of money. Attention, mon frère. Be very careful. Fais très attention. Be very, very careful. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you very. Fais très attention. Be very, very careful. Fais très attention. Be very, very careful. Aujourd'hui, l'Éternel t'interpelle encore. Today the Lord is calling on you. Dieu t'appelle encore à changer de vie. God is calling for you to change your way of life. Dieu t'appelle encore à changer de vie. God is calling for you to change your way of life. Dieu t'appelle encore à changer de vie. God is calling for you to change your way of life. Dieu t'appelle encore aujourd'hui. God is calling for you. À changer de vie. To change your way of life. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Écoute l'appel de Dieu. Hear the word of God. Accepte l'appel de Dieu. Accept the grace of God. Accepte l'appel de Dieu. Accept the grace of God. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Because nobody knows the day nor the hour. À plusieurs reprises, Dieu t'a déjà appelé à changer de vie. For many years, God has been calling for you to change your way of life. À plusieurs reprises, Dieu t'a déjà appelé à abandonner l'adultère. God has called you many times to abandon adultery. À plusieurs reprises, Dieu t'a déjà appelé à abandonner la malhonnêteté. God has called you many times to abandon dishonesty. À plusieurs reprises, Dieu t'a déjà appelé à abandonner la prostitution. Many times, God has called you to abandon prostitution. Depuis les années, tu vis dans la sorcellerie. Dieu t'interpelle, tu ne comprends.
for how many years you have been living in witchcraft, the Lord is calling for you. You pratique la sorcellerie, tu découvres les dires des gens, Dieu t'interpelle, tu ne comprends pas. You are a witch, you destroy people's life, God is calling for you to repent, you reproof. Depuis les destinées des gens depuis des années, Dieu t'interpelle, tu ne comprends pas. You destroy many people's destiny for years and God is calling for you, you reproof. Tu manges les gens dans la sorcellerie, Dieu t'interpelle, tu ne comprends pas. You destroy people in witchcraft, God calls for you, you reproof. Dieu t'interpelle encore aujourd'hui, mon frère. God is still calling for you to do. Dieu t'interpelle encore aujourd'hui. God is still calling for you to do. Dieu t'interpelle encore aujourd'hui, ma soeur. God is still calling for you to do. Toi qui vis dans la sorcellerie, ma soeur. You that is living in witchcraft. Dieu t'interpelle aujourd'hui. God is calling for you. Dieu t'interpelle aujourd'hui. God is calling for you. Depuis les années, tu détruis les destinées des gens. For many years, you have been destroying people's destinies. Depuis les années, tu voles les destinées des gens. For many years, you have been stealing people's destinies. Depuis les années, tu bois le sang des gens. For many years, you have been drinking people's blood. Depuis les années, tu envoies des maladies aux gens. For many years, you have been sending sicknesses to people. Dieu t'interpelle, tu refuses d'accepter. God calls your attention, you refuse to accept. Dieu t'appelle à changer de vie, tu refuses d'accepter. God calls you to change your way of life, you refuse. Un temps viendra où Dieu ne va plus t'interpeller. A day is coming, God will not call for you. Parce que la parole déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Because the word of God declares there's time for everything. Le temps de l'interpellation va s'arrêter. The time of God is calling for you. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. A time is coming, God will no longer call for you. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. A time is coming, God will not call for you. À plusieurs reprises, Dieu t'a déjà appelé à changer de vie, tu refuses. God has called you many times for you to change your way of life, you have refused. Dieu t'a déjà appelé à changer de vie à plusieurs reprises, tu fais comme si tu n'entends pas. God has called you many times to change your way of life, you made as if you are not yet. On te parle de Jésus-Christ, tu dis laissez-moi ça. You talk to you of the Lord Jesus Christ, you say allow me those things. On te parle de Jésus-Christ, tu dis quittez là-bas avec ça. When they talk to you of the Lord Jesus Christ, you say get away with it. On te parle de Jésus-Christ, tu dis regardez-moi ça, j'ai réglé là. When they talk to you the gospel of the Lord Jesus Christ, you look and say look at me those disorderly people. On te parle de Jésus-Christ, tu dis allez travailler. When they preach to you the gospel of the Lord Jesus Christ, you say go and work. Comme si on n'avait pas de travail. As if we do not have a job. Il faut faire attention, mon frère. Be very careful. Fais très attention, mon frère. Be very very careful. Fais très attention, mon frère. Be very very careful. Le temps de l'éternité. Very, very, very. The word of God declares. Chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura proféré. On the last day, you'll be judged by what you have been chosen. Je te le tiens véritablement vérité. Very, 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 tell you. Je te le tiens véritablement vérité. Very, 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 tell you. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Quel que soit ton statut dans ce monde. Whatsoever you think in this world. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Quel que soit ton statut. Whatsoever you be your schedule. Quel que soit tes relations. Whatever be your relations. Quel que soit tes relations. Whatever be your relations. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Tout le monde a besoin de Jésus. Everyone needs the Lord Jesus Christ. Si tu penses que parce que tu as les relations, tu n'as pas besoin de Jésus, tu te trompes. If you think because you have relations, you don't need the Lord Jesus Christ, you are deceiving yourself. Si tu penses que c'est parce que ta vie tourne déjà bien, tu n'as pas besoin de Jésus, tu te trompes. If you think it's because your life is already fine, you don't need the Lord Jesus Christ, you are making a mistake. Tu as besoin de Jésus Christ. You need the Lord Jesus Christ. Tu as besoin de Jésus Christ. You need the Lord Jesus Christ. Tu as besoin de Jésus Christ. You need the Lord Jesus Christ. Et Jésus Christ est dans la main aujourd'hui. And Jesus Christ is stretching his hand for you. Jésus Christ est dans la main aujourd'hui. Jesus Christ has stretched his hand for you today. Accepte la main tendue du Seigneur. Accept the outstretched hand of God today. Accepte la main tendue du Seigneur. Accept the outstretched hand of God today. Accepte la main tendue du Seigneur. Accept the outstretched hand of God today. C'est aujourd'hui que tu dois t'engager avec Jésus Christ. This is today is the time for you to accept the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui que tu dois t'engager avec Jésus Christ. Today is the day for you to engage in a serious relationship with the Lord Jesus Christ. You that have given your life to the Lord Jesus Christ. You need to give your life to the Lord Jesus Christ. But you have been disappointed. You have been disappointed by churches. They have tripped you. They have stolen from you. And because of that, you say you are no longer in that with those things. My brothers and sisters, it is time for you to start afresh. C'est le moment de recommencer, mon frère. It is time for you to start afresh. Laisse pas vaincre par le mal qui règne dans ce monde. Don't allow yourself to be overcome by the evil that is living in this world. La parole de l'Éternel déclare, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. The word of God declares, do not be overcome by evil, but allow yourself to be overcome evil by good. Si à cause du mal qu'on a eu à te faire, tu ne veux plus croire en Dieu, c'est le moment de surmonter ce mal par le bien. It's because of the evil they have been doing to you. You don't want to repent. This is the time for you to repent and accept God. C'est le moment de recommencer avec le Seigneur Jésus. This is the time to start afresh with the Lord Jesus Christ. C'est le moment de recommencer avec le Seigneur Jésus. This is the time to start afresh with the Lord Jesus Christ. C'est le moment de recommencer avec le Seigneur Jésus. This is the time to start afresh with the Lord Jesus Christ. Je suis le temps, vérité, vérité. Verily, verily, we
to tell you. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you. Dieu t'interpelle aujourd'hui, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Dieu t'interpelle aujourd'hui, ma fille. Jesus Christ is calling for you. Toi qui es au marché Vogue aujourd'hui. You guys in marché Vogue today. Si tu nous entends aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. If you hear us today, it's not by mistake. Si tu vois des personnes te parler de Jésus Christ aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. If you hear people talking to you of the Lord Jesus Christ today, it's not by mistake. Je suis sûr que tu n'as pas l'habitude de rencontrer ce type de personnes. We are sure you don't always see these people every day. Je suis sûr que tu n'as pas l'habitude d'entendre ce type d'évangile. We are sure you are not always used to hearing this kind of gospel. Si tu entends ce type d'évangile aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. If you hear this gospel today, it's not by mistake. C'est parce que Dieu t'appelle à changer de vie. It's because God wants you to change your way. Personne ne connaît son lendemain. Nobody knows his tomorrow. Et si quelqu'un meurt sans se repentir, ça va très mal se passer. Les choses vont très mal se passer pour cette personne. But if anyone dies without repentance, it will be very dangerous for that person. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Tu dois te repentir et accepter Jésus Christ dans ta vie, mon frère. You need to repent and accept Jesus Christ in your life. Tu dois te repentir afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés. You need to repent and accept the mercy of God for your sins. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. You need to repent, my brother. Dieu t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Quelle que soit ta croyance, whatever be your faith, quelle que soit ta religion, whatever be your religion, Dieu t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Dieu t'appelle à la repentance. God is calling you to repentance. Quel que soit le Dieu que tu adores, mon frère, whatever be the God you are worshiping, quelle que soit ta manière d'adorer Dieu, whatever be your way of worshiping God, quelle que soit ta manière de croire en Dieu, whatever be your way of believing in God, Dieu t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. God wants you to put your life in order. Dieu t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. God wants you to put your life in order. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, mon frère. You need to put your life in order. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. You need to put your life in order. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Dieu t'interpelle aujourd'hui. God is calling for you today. Dieu t'interpelle aujourd'hui. God is calling for you today. Dieu t'interpelle aujourd'hui. God is calling for you today. Il veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Because he wants to start something new with you. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. God wants to start something new with you. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. God wants to start something new with you. Il t'appelle à changer de vie. And he calls you to change your life. Il t'appelle à changer de vie. He wants you to change your way of life. Dieu t'appelle à changer de vie. God wants you to change your way of life. Pour changer de vie, tu dois accepter Jésus dans ta vie. To change your way of life, you need to accept the Lord Jesus Christ. Pour changer de vie et marcher selon la volonté de Dieu, tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. For you to change your life and to work according to the will of God, you need to accept the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Parce que par ta propre force, tu ne peux pas. Because by your own power, you cannot. Par ta propre force, tu ne peux pas abandonner le péché. By your own power, you cannot abandon sin. Par ta propre force, tu ne peux pas arrêter la fornication. By your own power, you cannot abandon fornication. Par ta propre force, tu ne peux pas arrêter la masturbation. By your own power, you cannot abandon masturbation. Par ta propre force, tu ne peux pas arrêter le mensonge. By your own power, you cannot allow lie selling. Par ta propre force, tu ne peux pas arrêter le banditisme. By your own power, you cannot allow armed robbery. Par ta propre force, tu ne peux pas arrêter le vol. By your own power, you cannot allow stealing. Par ta propre force, tu ne peux pas abandonner la sorcellerie. By your own power, you cannot abandon witchcraft. Par la force de Jésus que tu peux y arriver. It is by the power of the Lord Jesus Christ that you can. Jésus Christ est prêt à te donner cette force aujourd'hui. And Jesus Christ is ready to give you that power today. Jésus Christ est prêt à te donner cette force aujourd'hui. Jesus Christ is ready to give you that power today. Jésus Christ est prêt à te donner cette force aujourd'hui. Jesus Christ is ready to give you that power today. Accepte Jésus Christ dans ta vie, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ in your life. C'est le moment de croire en Jésus Christ. It is time to believe in the Lord Jesus Christ. C'est le moment d'abandonner l'iniquité, mon frère. It is time to abandon iniquity. C'est le moment d'abandonner le monde, mon frère. It is time to abandon the world. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Le monde dans lequel nous vivons nous trompe beaucoup. The world we are living in is deceiving us. Le monde dans lequel nous vivons nous trompe beaucoup. The world we are living in is deceiving us. C'est mieux pour toi de donner ta vie à Jésus Christ, mon frère. It is better for you to give your life to the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. So that you have eternal life. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Le monde dans lequel nous vivons nous trompe des réalités. The world we are living in is hiding realities from us. Il y a des réalités que nous ne connaissons pas, mon frère. There are realities we don't know. Et tant que tu seras loin de Dieu, tu ne seras jamais au courant de ces réalités. And as you are far from God, you can never know these realities. Tant que tu vas demeurer dans ta vie de péché, tu ne vas jamais connaître ces choses. When you remain in your sinful life, you can never know these realities. Le Seigneur dit dans sa parole. The Lord says in his word. Invoque-moi, je te répondrai. Call upon me and I will answer you. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles que tu ne connais pas. I will reveal to you deep and mighty things that you don't know. C'est le moment d'invoquer l'Éternel. It is time to call on the Lord Jesus Christ. C'est le moment d'invoquer l'Éternel. It is time to call on the Almighty God. En acceptant Jésus Christ dans ta vie, mon frère. By accepting the Lord Jesus Christ in your life. En acceptant Jésus Christ dans ta vie, mon frère. By accepting the Lord Jesus Christ in your life. En acceptant Jésus Christ dans ta vie, ma soeur. By accepting the Lord Jesus Christ in your life. C'est le moment d'invoquer l'Éternel. It is time to call upon the Lord. C'est le moment d'invoquer l'Éternel. It is time to call upon the Lord. En acceptant le salut, mon frère. By accepting salvation. En acceptant l'appel de Dieu dans ta vie. By accepting the call of God in your life. En acceptant l'appel de Dieu dans ta vie. By accepting the call of God for your life. En acceptant l'appel de Dieu dans ta vie. By accepting
accepted the call of God for your life. Beaucoup de personnes disent que moi je ne peux pas donner ma vie à Jésus parce que chez nous on ne fait pas ces choses. Many people say I cannot give my life to Jesus because for us we don't do those things. Beaucoup de personnes disent que moi je ne peux pas donner ma vie à Jésus parce que chez nous on ne fait pas ces choses dans les églises réveillées. Many people will say we don't do those things because in our lives we don't do those things of born again churches. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent pas donner la vie à Jésus Christ parce que dans leur famille on adore les crânes. Many people will say they cannot give their life to the Lord Jesus Christ because in their family they worship stones. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, je te le tiens vérité en vérité. Very, very well, tell you. Le salut est individuel. Salvation is personal. Lorsque tu vas quitter ce monde, when you leave this world, lorsque tu seras devant Dieu, when you stand before God, Dieu va te demander des comptes. God will ask you to give an account. Sur ta propre vie. Of your own life. Dieu ne te demandera pas des comptes sur la vie de ton père. God will not ask you to give account for the life of your parents. Dieu ne te demandera pas des comptes sur la vie de ta mère. God will not ask you to give account for the life of your mother. Dieu ne te demandera pas des comptes sur la vie de tes enfants. God will not ask you to give an account for the life of your children. Dieu te demandera des comptes sur ta propre vie. God will ask you to give account for your own life. Dieu te demandera des comptes sur ta propre vie. God will ask you to give an account for your own life. Alors si tu dis que moi je ne peux pas croire en Jésus Christ parce que dans notre famille nous on ne fait pas ces choses, tu fais erreur. So if you say you cannot give your life to Jesus because in your family they have not accepted the Lord Jesus Christ, you are making a bad mistake. Quand tu vas mourir, tu seras seul, mon frère. When you die, you will be alone. Et tu rendras compte à Dieu toi seul. And you will give an account to God alone. Tu seras face à face à Dieu. You will stand face to face with God. Tu vas répondre à tes actes, mon frère. You will answer for your actions. Tu vas devoir t'expliquer sur les années de vie qui t'ont été données par Dieu. You need to give an explanation for the number of years God has given you to live on earth. Dis-tu à Dieu, mon frère. What will you tell God? Est-ce que tu vas dire à Dieu que dans notre famille nous on ne faisait pas ces choses? Will you tell God in our family we don't do those things? Est-ce que tu vas dire à Dieu que moi dans notre famille on n'était pas dans les églises réveillées? Will you say me and my family we are not in born again churches? Est-ce que tu vas dire à Dieu que moi dans notre famille nous on adorait seulement les crânes? Will you tell God in my family we only worship stones? Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, je te le tiens vérité en vérité. Very, very well, tell you. Maintenant que tu dois croire en Jésus Christ, this is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Soit la manière dont ta famille conçoit Jésus Christ. Whatsoever they be the way your family sees the Lord Jesus Christ. Quelle que soit la manière dont ta famille voit Jésus Christ. No matter the way your family sees the Lord Jesus Christ. Ne refuse pas de croire à l'évangile parce que ta famille n'adore pas Jésus Christ. Don't reject the Lord Jesus Christ because your family has rejected the Lord Jesus Christ. Ne refuse pas de croire à l'évangile parce que ta famille adore les crânes. Don't refuse to believe in the gospel of the Lord Jesus Christ because your family believes it's false. Si ta famille adore les crânes, tu n'es pas obligé d'adorer les crânes. If your family believes in stones, you are not forced to believe in stones. Si ta famille adore les forêts sacrées, tu n'es pas obligé d'adorer les forêts sacrées. If your family believes in sacred forests, you don't need to believe also in sacred forests. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour sa propre vie. Because everyone will give an account to God for his own life. Tu rendras compte à Dieu pour ta propre vie. You will give an account to God for your personal life. Je te le tiens vérité en vérité. Very, we tell you. C'est le moment d'abandonner ces choses, mon frère. It is time to abandon those things. Ne dis pas que moi je ne peux pas croire en Jésus parce que mon père ne va pas accepter. Don't say I cannot believe in the Lord Jesus Christ because my father will not accept. Ne dis pas que moi je ne peux pas croire en Jésus parce qu'on m'a dit qu'elle est déjà entrée dans les églises réveillées. Don't say you cannot give your life to the Lord Jesus Christ because people will tell you have already entered born again churches. Ne refuse pas de croire en Jésus parce que ton père m'a dit qu'elle est déjà entrée dans le Jesus Christ. Don't say you will not give your life to the Lord Jesus Christ because people will say you have already entered Jesus. Ma soeur, my sister, accept Jésus Christ maintenant. Accept the Lord Jesus Christ. Crois en Jésus Christ maintenant. Believe in the Lord Jesus Christ. Crois en Jésus Christ maintenant. Believe in the Lord Jesus Christ. Maintenant qu'il te faut croire en Jésus Christ. It is now you need to believe in the Lord Jesus Christ. C'est maintenant que tu dois croire à l'évangile. It is now you need to believe the gospel. C'est maintenant que tu dois croire à l'évangile. It is now you need to believe the gospel. L'aile plus au jeu. Time is no longer for joke. Le moment n'est plus à la blague, mon frère. This is no time to joke. Le moment n'est plus à la blague, ma soeur. This is no time for you to joke. Tu as longtemps vagabondé comme ça. You have for so long committed abomination. Tu as longtemps essayé avec plusieurs hommes comme ça. You have so long tried for many men up and down. Tu as longtemps été déçu par les hommes comme ça, ma soeur. You have for so long been deceived by men.
Donne ta vie à Jésus-Christ et sois en paix. Give your life to the Lord Jesus Christ to be in peace. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras en paix une bonne fois pour toutes. Give your life to the Lord Jesus Christ and you will be in peace once and for all. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu seras en paix une bonne fois pour toutes, ma sœur. Accept the Lord Jesus Christ into your life and you will be in peace once and for all. Tu t'es longtemps battu comme ça. You have for so long scattered your life. Les hommes ont longtemps abusé de toi comme ça. Many people have abused you. Ma sœur. My sister. Donne ta vie à Jésus-Christ et sois en paix. Give your life to the Lord Jesus Christ and be in peace. Donne ta vie à Jésus-Christ et sois en paix. Give your life to the Lord Jesus Christ and be in peace. Je le tiens vérité en vérité. Verily, verily, we tell you. C'est pour toi que Jésus-Christ nous envoie aujourd'hui. It is for you the Lord Jesus Christ has sent us out. C'est pour toi que Jésus-Christ nous envoie aujourd'hui. It is for you the Lord Jesus Christ has sent us out. C'est pour toi que Jésus-Christ nous envoie aujourd'hui. It is for you the Lord Jesus Christ has sent us out. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Because he wants to do something new for your life. Jésus-Christ veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, ma sœur. Jesus Christ wants to do something new in your life. Aujourd'hui, même il veut commencer quelque chose de nouveau. Even today, he wants to do something new in your life. Tu as longtemps été déçu, ma sœur. You have for so long disappointed. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut recommencer quelque chose dans ta vie. Today, Jesus Christ wants to start something afresh in your life. Accepte seulement l'appel du Seigneur. Accept the call of the Lord Jesus Christ. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Believe only in the Lord Jesus Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. It is time to accept the Lord Jesus Christ. Mon frère, ma soeur. My brother and sister. Depuis des années. For many years. Tu vis comme tu veux. You live the way you want. C'est le moment de changer, mon frère. It is time to change. C'est le moment de changer, ma soeur. It is time to change. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie. By accepting the Lord Jesus Christ in your life. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. As your personal Lord and Savior. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Afin d'être sauvé. So that you will be saved. Tous ceux qui sont déjà morts. Everyone that has already died. Qui sont déjà morts. Those that have already died. Et qui sont morts dans le péché. And they died in sin. Actuellement, ils sont quelque part. Actually, they are somewhere. Et ils ne demandent qu'une seule minute. And they ask you for 1 minute. Pour revenir sur la terre. To come back to this earth. Afin de se repentir. So that they can repent. Afin de croire à l'évangile. So that they can believe in the gospel. Et on leur répond. And they answer them. Que c'est trop tard. It is too late. C'est trop tard. It is too late. C'est trop tard. It is too late. Quand tu es sur la terre. When you are on earth. On t'a parlé de Jésus. They preach to you the Lord Jesus Christ. Tu sais de quoi? You refuse to believe. C'est trop tard. It is too late. C'est trop tard. It is too late. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Si tu ne fais pas attention. If you are not careful. C'est la même chose qui va t'arriver. It is the same thing that will happen to you. La même chose qui va t'arriver. It is the same thing that will happen to you. La même chose qui risque de t'arriver. It is the same thing that risks happening to you. Si tu ne fais pas attention. If you are not careful. C'est la même chose qui risque de t'arriver. It is the same thing that may happen to you. Dieu ne veut pas que tu sois dans le regret lorsque tu quitteras ce monde. God does not want you to be in regret when you leave this world. Dieu ne veut pas que tu sois dans le regret lorsque tu partiras. God does not want you to be in regret when you leave this world. Parce que tu ne vas pas dire qu'on ne m'avait pas dit. Because you will not say that you did not tell me. Tu ne vas pas dire qu'on ne m'avait pas parlé de Jésus. You will not say that you did not preach to me of the Lord Jesus Christ. Tu ne vas pas dire que moi ne m'avais jamais prêché l'évangile. You will never say that you did not preach the gospel to you. Tu ne vas pas dire qu'on ne m'avait pas parlé du Sauveur. You will never say that you did not talk to you of the Savior. Mon frère, ma soeur. My sister. Tu n'auras pas de raison devant Dieu. You will have no reason. Personne n'aura raison devant Dieu. Nobody will have justification before God. Personne n'aura raison devant Dieu. Nobody will have reasons before God. C'est la raison pour laquelle Dieu court derrière toi pendant que tu es encore vivant. That is why God is running behind you while you are still alive. Parce qu'il sait que si tu meurs dans le péché, tu vas le regretter. Because he knows if you die in your sins, you will go to hell. Pendant que nous sommes vivants. While you are alive. Dieu court derrière nous. God is running behind us. Dieu court derrière toi, mon frère. God is running behind us. Il vient te trouver dans ma chair où tu vas. He comes to meet you in your marketplace. To call your attention. Pour t'appeler à changer la vie. To call you to change your way of life. Pour t'appeler à mettre de l'ordre dans ta vie. To call you to put your life in order. Mais qu'est-ce que tu fais? But what are you doing? Tu nous regardes comme des guignols. You look at us like foolish people. Tu nous regardes comme des gens qui ont perdu la mémoire. You look at us like stupid people. Tu nous regardes comme des gens qui n'ont rien à faire. You look at us like those that have nothing to do. Tu nous regardes comme des gens qui manquent quoi faire. You look at us like those that lack things to do. Tu nous regardes comme des mangeants. You look at us like beggars. Alors que nous sommes en train de te parler d'une réalité. Of which we are talking to you of a reality. Nous sommes en train de te parler de Jésus-Christ. We are talking to you of the Lord Jesus Christ. Le seul détenteur de la résurrection. The only resurrection alive. Le seul détenteur du pouvoir de la résurrection. The only one that has the power of resurrection. La seule personne qui est capable de te faire vivre éternellement. The only one that can make you live forever. C'est de lui que nous venons te parler. He is the one we have come to talk to you of. Et qu'est-ce que tu fais, mon frère? And what are you doing? Tu nous regardes, tu secoues la tête. You look at us and you shake your head. Tu secoues la tête. You look at us and you shake your head. Que mais ça ne va pas vraiment dans leur cerveau. You say no, these people are not here. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Je te le tiens vérité en vérité. Very, 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 tell you. Jésus-Christ veut te sauver. Jesus Christ wants to save you. Jésus-Christ veut te sauver. Jesus
says what to save you. Jesus says what to save you. Jesus says what to save you. Maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Maintenant que tu dois croire en Jésus Christ. This is the time to believe in the Lord Jesus Christ. Ne dis pas que je vais attendre l'année prochaine. Don't say I will wait for next year. Ne dis pas que je vais attendre le mois prochain. Don't say I will wait next month. Ne dis pas que je vais voir ça après. Don't say I'm going to see it after. Parce qu'après là, ça peut être trop tard. Because after it may be too late. Tu peux dire que je vais voir ça après et après là tu meurs. You can say I will see that after and that after you die. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. On dit souvent dans le monde que qui renvoie à demain trouve malheur. We say in this world that whatsoever we procrastinate, we find danger in God. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Allow us to tell you one thing. Lorsque quelqu'un n'a pas encore entendu parler de Jésus. When someone has heard the gospel of the Lord Jesus Christ. Jésus qui s'efforce à protéger cette personne malgré sa mauvaise vie. God will force to protect that person despite the person's evil life. Lorsqu'une personne n'a jamais entendu parler de Jésus Christ. When a man has never heard the gospel of the Lord Jesus Christ. Jésus qui s'efforce à protéger cette personne malgré ses abominations. Jesus Christ will force and protect that person despite that person's abomination. Mais attention. But be very careful. À partir du moment où tu entends parler de Jésus. From the moment you have heard the gospel of the Lord Jesus Christ. À partir du moment où on te prêche l'évangile. From the moment they preach to you the gospel. À partir du moment où on te parle de la vérité. From the moment they preach the truth to you. Je te le tiens vérité en vérité. Very, 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 very. La sécurité que tu es de procurer. The security that God has given to you. We go down. Ça commence à baisser. It begins to go down. Ça commence à baisser. It begins to go down. Ça commence à baisser. It begins to go down. Parce qu'une personne qui est dans l'ignorance est différente d'une personne qui connaît déjà la vérité. Because an ignorant person is different from someone that knows the truth. Tu ne savais jamais parler de Jésus Christ. If you have never heard the gospel of the Lord Jesus Christ, mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, tu pouvais en dire comme tu voulais. You could live the way you want. Mais aujourd'hui, but today, on t'a parlé de Jésus Christ. We taught you of the Lord Jesus Christ. Tu connais déjà la vérité. For you to know the truth. Je te le dis en vérité, en vérité. Very, very, very. Tu as intérêt à changer de vie. You need to change your way of life. Tu dois changer de vie. You need to change your way of life. Au moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Tu dois changer de vie, mon frère. You need to change your way of life. Tu dois changer de vie, ma soeur. You need to change your way of life. Tu dois changer de vie, mon frère. You need to change your way of life. Lorsque tu quitteras ce monde, mon frère. When you leave this world, my brothers and sisters. L'argent que tu cherches sans repos là ne va plus te servir. Money you have been looking for without rest will not help you. L'argent que tu cherches sans repos là ne va plus te servir. Money you have been looking for without rest will not be able to help you. Lorsque tu mourras, tu ne vas même pas emporter, tu ne vas même pas emporter un seul centime. When you die, you will carry nothing with you. Lorsque tu viens dans ce monde, when you are coming to this world, tu n'as rien à mener dans ce monde. You brought nothing to this world. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir que tu vas emporter quelque chose. It is not when you die that you will carry something with you. Alors tu as intérêt à te repentir avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. So you need to repent before it be too late. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. You need to repent before it be too late. Si tu dis que moi je travaille l'argent. If you say I'm already working money, je ne suis pas dans les choses là. You are not in those things. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters. L'argent ne va pas te sauver. Money will not save you. L'argent n'a jamais sauvé quelqu'un et ce n'est pas par toi que ça va commencer. Money has never saved anyone and you are not the first that money will save. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you very, very. C'est le moment de chercher Dieu. It is time to seek God. La parole de l'Éternel déclare, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. The Bible says, seek the Lord while he might be found. L'Éternel se laisse trouver pendant que tu es encore dans ce monde. You can see the Lord while you are still in this world. L'Éternel se laisse trouver pendant que tu es encore vivant. The Lord allow himself to be seen while you are still in this world. L'Éternel se laisse trouver pendant que tu es encore un peu de temps dans ce monde. The Lord allow himself to be seen while you are still in this world. À un moment donné, ton temps va finir. At the same time, your time will finish. Et l'Éternel ne se laissera plus trouver. And the Almighty God will not allow himself to la be seen. La miséricorde de Dieu est disponible pendant que tu es encore vivant. The mercy of God is available while you are alive. Le pardon de Dieu pour tes péchés est disponible pendant que tu es encore vivant. The forgiveness of God for your sin is available while you are alive. Le pardon de Dieu pour tes péchés est disponible pendant que tu as encore peu de temps dans ce monde. The forgiveness of God for your sins is available while you are alive. Après la mort, il n'y aura plus de pardon. After death, there is no mercy. La parole de l'Éternel nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? The word of God declares it has been reserved for once.
for man wants to die after that is judgment. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois dans ce monde. Après quoi vient le jugement? Man has been appointed one to die after that is judgment. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois dans ce monde. Après quoi vient le jugement? It has been appointed one for man to die after that is judgment. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Le moment de changer de vie. It is time to change your way of life. Tu dois changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. You need to change your life before it's too late. Je ne suis pas, nous ne sommes pas en train de te dire viens Jésus Christ et toi avoir l'argent. We are not telling you come to Jesus Christ and have money. Nous ne sommes pas en train de te promettre les choses qui restent. We are not promising to you anything. Nous sommes en train de te garantir le salut. We are guaranteeing to you salvation. C'est lui qui accepte et reçoit Jésus Christ dans sa vie a son salut garanti. Anyone that accepts and receives the Lord Jesus Christ has a guarantee for his salvation. Mon frère, ma soeur. Je te le dis en vérité, en vérité. Si Jésus-Christ n'existait pas, si la puissance de Dieu n'existait pas, tu n'allais même pas nous voir devant toi aujourd'hui. You could not see us before you. Tu n'allais même pas nous voir devant toi aujourd'hui. You could not see us before you. Parce qu'il y a quelques années, on n'a rien de aussi comme toi. Because many years behind we were like you. On vivait aussi comme le monde vivait. We are just following the world the way the world was. On vivait aussi comme tu vis présentement. We are living the way you are living presently. On voyait aussi les choses comme tu vois présentement. We are seeing things the way you are seeing presently. On comprenait aussi les choses et le monde comme tu comprends maintenant. We are seeing things and understanding things the way you are seeing presently. Mais on a compris ce que la parole de l'Éternel déclare. But we understood what the word of God was declaring. Que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. That the beginning of wisdom is the fear of God. Le commencement de la sagesse est la nouvelle naissance, mon frère. That the beginning of wisdom is to be born again. Tu commences à réfléchir véritablement le jour que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. You begin to think properly when you give your life to the Lord Jesus Christ. Le jour là que tu sors véritablement de l'ignorance. That is the day you come out of ignorance. Je te le dis en vérité, en vérité. Verily, verily, we tell you. Parce que la vérité est cachée en Jésus Christ. Because the truth is hidden in the Lord Jesus Christ. Jésus Christ qui est le détenteur de la vérité. It is only the Lord Jesus Christ that has the truth. C'est lui qui veut connaître la vérité doit donner sa vie à Jésus Christ. Whosoever wants to know the truth needs to give his life to the Lord Jesus Christ. C'est lui qui vit simplement comme ça dans ce monde va toujours demeurer dans l'ignorance. But whosoever choose to live in this world, we always be in ignorance. Le plus important c'est la spiritualité, mon frère. The most important part is the spiritual part. Le plus important c'est le spirituel, mon frère. The most important is the spiritual. C'est le temps véritable, en vérité. Very accepte Jésus Christ maintenant. Accept the Lord Jesus Christ. Crois en Jésus Christ maintenant. Believe in Jesus Christ. Crois en Jésus Christ maintenant. Believe in Jesus Christ. Crois en Jésus Christ maintenant. Believe in Jesus Christ. Même toi qui as déjà cru en Jésus Christ. Even you that have believed in the Lord Jesus Christ. C'est le moment de scanner ta vie, ma soeur. This is time for you to scan. C'est le moment de vérifier ta vie. This is time for you to verify your life. Qu'est-ce que tu as cru en Jésus Christ? Because if you have already believed in the Lord Jesus Christ. Et tu n'as pas coupé les ponts avec la fornication. And you have not cut links with fornication. C'est un problème grave, ma soeur. It is a very big problem. C'est un problème grave, mon frère. It is a very big problem. Si tu as donné ta vie à Jésus Christ. If you say you have given your life to the Lord Jesus Christ. Et tu n'as pas abandonné le mensonge. And you have not abandoned lies telling. C'est un problème grave, ma soeur. It is a big problem. C'est un problème grave, mon frère. It is a big problem. Si tu as donné ta vie à Jésus Christ. Tu n'as pas abandonné le mensonge. Le bandage inutile. Le rapportage. C'est un problème grave, ma soeur. It is a big problem. C'est un problème grave, mon frère. It is a big problem. Si tu lui as donné ta vie à Jésus Christ, if you have, you say you have given your life to Jesus. C'est toujours dans le vol technique. And you are still stealing. Ce que tu appelles les avantages de service. That means you call advantage of service. C'est un problème grave, mon frère. It is a big problem. La parole de l'Éternel déclare vous serez saint. Parce que je suis saint. The word of God declares you need to be holy because God is holy. Celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie doit vivre dans la sainteté. He that receives the Lord Jesus Christ need to live in holiness. Donc, la droiture, l'honnêteté, la vérité. You need to live a straight and honest life. Alors si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas totalement abandonné le péché. C'est un problème grave. When you say you are giving your life to the Lord Jesus Christ and you are not totally abandoned, it is a great problem. C'est un problème grave, ma soeur. It is a dangerous problem. C'est un problème grave, ma soeur. It is a dangerous problem. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ma soeur. If you have given your life to the Lord Jesus Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus Christ. If you have ever given your life to the Lord Jesus Christ. Et que ta manière et ta bien n'a pas changé. And your way of blessing has never changed. C'est un problème grave, ma soeur. It is a big problem. Tu as donné ta vie à Jésus Christ. It is a big problem. Mais ta manière et ta vêtue n'a jamais changé. And your way of blessing has never changed. Tu t'habilles toujours pour séduire les hommes. You dress to seduce men. C'est un problème grave, ma soeur. It is a big problem. La séduction ne vient pas de Dieu. Seduction is not of God. La séduction ne vient pas de Dieu. Seduction is not of God. Je te le dis en vérité,
en vérité. Very, very well, tell me. Je te retiens en vérité en vérité. Very, very well, tell me. C'est maintenant que tu dois changer de vie. This is the time for you to change your life. Tu dois te repentir. You need to repent. Tu dois te repentir. You need to repent. Tu dois te repentir. You need to repent. C'est le moment de changer de vie. It is time to repent. Si tu as eu à donner ta vie à Jésus, si tu as eu à donner ta vie à Jésus-Christ. If you are giving your life to the Lord Jesus Christ. Et là où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. And when you are giving your life to the Lord Jesus Christ. On ne t'a pas parlé de certaines choses. They did not tell you certain things. Je te retiens en vérité, ma soeur. Verily, verily, we tell you. Tu dois revoir ta conversion. You need to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion. You need to review your conversion. Si là où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. If when you are giving your life to the Lord Jesus Christ. On ne t'a pas dit que porter les minutes et les pantalons pour femmes mène à la fin ta mentir. They did not tell you that you wear a short skirt and you wear trousers as a woman is. We tell you to have fire, it means they have light to you. Si là où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ma soeur. If when you are giving your life to the Lord Jesus Christ, my sister. On ne t'a pas dit que la fausseté vient de Satan, c'est un problème grave. They did not tell you that falsehood is coming from the devil, it is a big problem. Lorsqu'on parle de faux, on parle de mensonge. When we talk of false, we talk of lies. Et la parole de l'Éternel nous dit que Satan est le père du mensonge. And the Bible says Satan is the father of lies. Alors si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu continues à mettre la fausseté sur toi, c'est un problème grave. If you say you are giving your life to the Lord Jesus Christ, as you continue putting false things on your body, it is a big problem. Si lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on ne t'a pas dit que les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils ne sont pas bien, c'est un problème grave. If you, when you gave your life to the Lord Jesus Christ, they did not tell you to put fake hair, false nails and false eyelashes, it's a problem, then it is a great problem. Qui dit fausseté, qui dit mensonge. Everybody calls falsehood is talking of a lie. Lorsqu'on parle de faux, on parle de mensonge. When we talk of faux, we talk of lies. Ce n'est pas difficile à comprendre. It is not difficult to know. Très facile à comprendre. It is very easy to know. Alors je ne sais pas quel raisonnement tu vas me donner. I don't know the reasoning you are going to bring. Je ne connais pas le raisonnement que tu vas me tenir, ma soeur. I don't know the reasoning you are going to bring. Prouver le faux que tu mets sur toi. To approve the fake things you are putting on your body. Je te retiens en vérité, ma soeur. Si tu as eu à donner ta vie à Jésus-Christ. If you say you are giving your life to the Lord Jesus. Ne pas présenter la vérité dans sa totalité. And they do not give you the truth in its totality. C'est un problème grave. It is a big problem. Tu dois savoir que la fausseté ne vient pas de Dieu. You need to know that the falsehood does not come from God. Une femme qui est née de nouveau doit savoir que la fausseté ne vient pas de Dieu. The woman that is born again needs to know that falsehood does not come from God. La fausseté ne vient pas de Dieu. Falsehood does not come from God. Dieu est dans la vérité. God is in truth. Et lorsqu'on parle de vérité, on parle des choses naturelles. When we talk of truth, we talk of natural things. Jésus-Christ est la vérité. Jesus Christ is truth. Si tu dis que tu es enfant de Jésus-Christ qui est la vérité, tu dois être vrai avec toi-même. If you say you are a child of Jesus, that is truth. You need to be true with your own self. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Jésus-Christ qui est la vérité, alors que tu es dans le faux. You cannot say you are a child of the Lord Jesus Christ who is truth and you are living in falsehood. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? One relationship has light and darkness. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Jésus-Christ qui est la vérité. You cannot say you are a child of the Lord Jesus Christ who is truth. Et tu prends les fausses, tu mets sur toi, ma soeur. And you take fake things and you put on your body. Tu prends les fausses, tu mets sur toi. You take fake things and you put on you. Les faux ongles, les faux cils, les faux. Mais tu dis que tu es chrétien, tu es né de nouveau, enfant de Jésus-Christ qui est la vérité. Fake nails, fake hair, fake eyelashes. You put fake things on you and you tell you are a child of the Lord Jesus Christ. It's a great problem. Ce n'est pas possible, ma soeur. It is not possible. Ce n'est pas possible, ma soeur. It is not possible. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Jésus-Christ qui est la vérité et tu mets le faux sur toi. You cannot say you are a child of the Lord Jesus Christ who is truth and then you are putting fake things on you. Ce n'est pas possible, ma soeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ma soeur. It is not possible. Si là où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on ne t'a pas présenté la vérité dans sa totalité, c'est un problème grave. Et quand tu as to the Lord Jesus Christ and you not present to you the truth in its totality is a great problem. Tu dois revoir ta conversion, ma soeur. You need to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion, ma soeur. You need to review your conversion. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. Because it is not going to church that is going to save you. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. It is not going to church alone that is going to save you. Même si tu avais dit que Jean Grand Poste là-bas, le pasteur sait tout, ce n'est pas ça qui va te sauver. Even if you say you are having a pastor and
knows everything. He knows what is going to save you. Only the truth will 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 save you. Very little will tell you. Very little will tell you. Il continue à mettre ces choses sur toi sous prétexte que la femme du pasteur porte ces choses. C'est un problème grave. If you continue wearing those things on the pretext that the pastor's wife is also putting them on, it is a great problem. Si tu m'as dit que la femme du pasteur met ces choses sur elle, moi aussi je peux mettre. C'est un problème grave. If you say the pastor's wife is putting on the things and you yourself you want to put it, it is a great problem. Je te le tiens vérité. Very little will tell you. C'est un problème, ma soeur. It is a problem. C'est un problème, ma soeur. You should not follow the pastor. You need to follow the law. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont scandalisées aujourd'hui. That is why many people are in disorder today. Plusieurs personnes disent qu'elles sont chrétiennes aujourd'hui. Many people say they are Christians today. Elles ne méditent pas la parole de Dieu. But they don't meditate the word of God. À cause de ça, elles sont trompées. And because of that, they are deceived. Résultat, c'est à cause des scandales. The result is destruction. À cause des déceptions. It is deception. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. C'est le moment de revoir ta conversion, ma soeur. It is time to review your conversion. C'est le moment de revoir ta conversion, ma soeur. It is time to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion, mon frère. You need to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion, mon frère. You need to review your conversion. Si tu as donné ta vie à Jésus qui dans le passé. If you have given your life to the Lord Jesus Christ in the past. Et que tu n'as pas abandonné la mauvaise vie que tu avais avant, mon frère. And you have not abandoned the evil life you were having before. C'est un problème grave. It is a great problem. C'est un problème grave, mon frère. It is a dangerous problem. C'est un problème grave. It is a big problem. Si tu as donné ta vie à Jésus, mon frère. If you have ever given your life to Jesus. Et que ton pasteur t'a dit que boire de l'alcool ce n'est pas un souci. And your pastor told you to drink alcohol is not a problem. C'est un problème grave. It is a big problem. C'est un problème très grave. It is a big problem. Je te le dis en vérité, en vérité. Very little will tell you. C'est le moment de revoir ta conversion. It is time to review your conversion. C'est le moment de revoir ta conversion. It is time to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion, mon frère. You need to review your conversion. Tu dois revoir ta conversion, ma soeur. You need to review your conversion. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Tu dois revoir ta conversion. You need to review your conversion. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repent before it be too late. Parce que ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait à l'église qui pourra te sauver. Because it is not the number of years you make on earth that will save you. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Je te le dis en vérité, en vérité. We tell you by truth. Tu dois revoir ta conversion. You need to review your conversion. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que c'est le nombre d'années qu'on a fait à l'église qui fait de nous d'être sauvés. Because many people think it is the number of years you make in church that will make you to be saved. Plusieurs personnes pensent que c'est parce qu'elles ont rien fait 10 ans à l'église qu'elles sont sauvées. Many people think it's by making 10 years in church that you will be saved. Ce n'est pas ça qui va te sauver, mon frère. That is not what will save you. Ce n'est pas ça qui va te sauver, mon frère. That is not what will save you. Je le dis en vérité, en vérité. Very little will tell you. La vie de consécration qui va te sauver. Only life of consecration will save you. La vie de sanctification qui va te sauver. The life of holiness is what will save you. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Obedience and putting the word of God in practice is what will save you. C'est ça qui pourra te sauver, ma soeur. That is what will save you. C'est ça qui pourra te sauver, mon frère. That is what will save you. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait à l'église qui va te sauver. It is not the number of years you make in church that is going to save you. Tu as déjà fait 10 ans à l'église et que tu vis dans le péché, c'est un problème grave. If you have made 10 years in church and you are still living in sin, it is a big problem. Devant Dieu, tu n'as même pas encore commencé. Before God, you have not yet started. C'est le moment de commencer, mon frère. This is time for you to begin. C'est le moment de commencer, ma soeur. It is time for you to begin. Dieu t'interpelle aujourd'hui, mon frère. God is calling for you today. Dieu t'interpelle aujourd'hui, ma soeur. God is calling for you today. Dieu t'interpelle aujourd'hui, mon frère. God is calling for you today. Tu dois changer de vie aujourd'hui. You need to change your way of life. Tu dois revoir ta manière de vivre aujourd'hui. You need to review your way of life. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. You need to put your life in order. Je te le tiens vérité, en vérité. Very little will tell you. Je te le tiens vérité, en vérité. Very little will tell you. C'est le moment de changer de vie, mon frère. It is time to change your way of life. Jésus Christ t'appelle, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Jésus Christ t'appelle aujourd'hui, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Dieu t'appelle aujourd'hui, ma soeur. God is calling for you. C'est le moment de changer de vie. It is time to change your life. Et d'accepter Jésus Christ. And to accept the Lord Jesus Christ. C'est le moment de commencer une vraie vie. It is time to begin a true life.
avec Jésus-Christ. With the Lord Jesus Christ. C'est le moment de commencer une nouvelle vie. It is time to begin a new life. Avec Jésus-Christ. With the Lord Jesus Christ. C'est le moment de commencer une nouvelle vie, mon frère. It is time to begin a new life. Avec Jésus-Christ. With the Lord Jesus Christ. Je te le dis en véritable. Very very well, tell you. C'est pour toi que Jésus-Christ nous envoie, mon frère. It is for you, the Lord Jesus Christ. Nous sommes là pour toi, mon frère, ma soeur. We are here for you. Nous sommes là pour toi, mon frère, ma soeur. We are here for you. Jésus-Christ est prêt à te délivrer aujourd'hui. Jesus Christ wants to deliver you today. Jésus-Christ est prêt à te donner une nouvelle vie aujourd'hui. Jesus Christ is ready to give you a new life today. Jésus-Christ est prêt à te donner une nouvelle vie aujourd'hui. Jesus Christ is really ready to give you a new life today. Accepte Jésus-Christ pendant que tu es là, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ while you are here. Aujourd'hui, l'occasion se présente devant toi. Today, the occasion has been presented before you. L'occasion se présente devant toi aujourd'hui, mon frère. The occasion has been presented before you. L'occasion est devant toi aujourd'hui, ma soeur. The occasion is before you today. L'occasion pour toi d'accepter Jésus-Christ est là aujourd'hui. The occasion for you to change is before you today. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ today. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie aujourd'hui. The power of God will be manifested in your life. Celui qui accepte de croire en Jésus-Christ reçoit aussi la puissance de Dieu. He that accepts to believe in the Lord Jesus Christ accepts also to receive power. Celui qui accepte de croire en Jésus-Christ reçoit la vie de Jésus-Christ. He that accepts the Lord Jesus Christ receives the life of the Lord Jesus Christ. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. Because life is found in the Lord Jesus Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Life is found in the Lord Jesus Christ. Accepte de croire en Jésus-Christ. If you accept to believe in the Lord Jesus Christ, tu ne vas jamais le regretter, mon frère. You will never regret it. Celui qui accepte de croire en Jésus-Christ. He that accepts to believe in the Lord Jesus Christ, tu ne vas jamais le regretter. You will never regret it. Je te le dis en véritable vérité. Very, very well, tell me. Si tu donnes ta vie à Jésus, mon frère. If you give your life to Jesus. Si tu donnes ta vie à Jésus, ma soeur. If you give your life to Jesus. Tu ne vas jamais le regretter. You will never regret it. Tu ne vas jamais le regretter. You will never regret it. Tu ne vas jamais le regretter. You will never regret it. Ne regarde pas à côté, mon frère. Don't look beside you. Parce que lorsque tu seras devant toi, personne d'autre ne sera pas avec toi. Because when you stand before God, nobody will be with you. Personne d'autre ne sera avec toi. Nobody has to be with you. Je te le dis en véritable vérité. Very, very well, tell me. Même si vous mourrez le même jour. Even if you die on the same day. Même si tu meurs le même jour avec ton frère. Even if you die the same day with your brother. De l'autre côté, vous ne serez pas ensemble. On the other side, you will not be together. Chacun sera seul devant vous. Everyone will stand before God. Ne regarde pas à côté, mon frère. Don't look beside you. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui. Accept the Lord Jesus Christ today. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui. Believe in the Lord Jesus Christ today. Reçois la vie aujourd'hui. Receive life today. Parce que c'est lui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie. Because whosoever is not having the Lord Jesus Christ is not having life. C'est lui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie. Whosoever is not having the Lord Jesus Christ is not having life. Si tu n'as pas Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de vie. If you are not having the Lord Jesus Christ, you are not having life. Dieu est prêt à te donner la vie aujourd'hui. God is ready to give you life today. Dieu est prêt à te donner la vie aujourd'hui. God is ready to give you life today. Aujourd'hui que Jésus-Christ va te donner la vie. It is today the Lord Jesus Christ wants to give you life. Aujourd'hui que Jésus-Christ va te donner la vie. It is today the Lord Jesus Christ wants to give you life. N'adoucis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Do not harden your heart. N'adoucis pas ton cœur, mon frère. Do not harden your heart. N'adoucis pas ton cœur, ma soeur. Do not harden your heart. N'adoucis pas ton cœur, mon frère. Do not harden your heart. Accepte Jésus-Christ, mon frère. Accept the Lord Jesus Christ. Je te rappelle que toute personne qui vit seulement est un missionnaire pour Dieu. We remind you that everyone in this world needs to live a life for God. Si Dieu t'envoie dans ce monde, c'est pour une raison, mon frère. If God tells you to this life, it is for a reason. Tu n'es pas dans ce monde pour accompagner les autres, ma soeur. You are not in this life to accompany others. Si Dieu t'envoie dans ce monde, c'est pour une raison. If God tells you to this world, it is for a reason. Si Dieu t'envoie dans ce monde, c'est pour une mission. If God sends you to this world for a mission. Alors tu dois faire ce que Dieu attend de toi, mon frère. So you need to do what God is expecting of you. Pour connaître ce que Dieu attend de toi, tu dois donner ta vie à Jésus. To know what God is expecting of you, you need to give your life to the Lord Jesus. Pour connaître ce que Dieu attend de toi, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. For you to know what God is expecting of you, you need to give your life to the Lord Jesus Christ. Afin d'accomplir parfaitement ta mission. So that you accomplish the mission of God. Afin d'accomplir parfaitement ta mission. So that you accomplish your mission. Toute personne qui va jouer sa mission sera rejetée par Dieu. Everyone that will fail in his mission will be rejected by God. Si tu échoues la mission que Dieu t'a donnée dans ce monde, mon frère, tu seras rejeté par Dieu dernier jour. If you fail in the mission God has sent you for in this earth, you will be rejected by God on the last day. C'est le moment de chercher à connaître ta mission, mon frère. It is time for you to seek to know your mission. C'est le moment de commencer à chercher à connaître ta mission. This is time for you to seek to know your mission. Qu'est-ce que tu es censé faire pour Dieu, mon frère? What do you need to do for God? C'est le moment de chercher à connaître. You need to seek for it. Et c'est en Jésus Christ que tu vas connaître. And it is in the Lord Jesus Christ that you will know it. Si tu continues à vivre comme tu veux, but if you continue to live the way you want, tu vas mourir dans l'ignorance. You will die in ignorance. Et tu vas malheureusement périr. And you will perish. Si tu continues à mener ta vie comme tu veux, if you continue living your life the way you want, tu continues à faire ce que tu veux. You continue doing what you want. Tu vas mourir dans l'ignorance. You will die in ignorance. Et tu vas malheureusement périr. And you will perish. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. My brothers and sisters. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas que tu périsses. The plan of God for your life is not for you to perish. Dieu ne veut pas que tu périsses, mon frère. God does not want you to perish. Dieu ne veut pas que tu périsses, ma soeur. God does not want you to perish. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas que
tu périsses. The plan of God for your life is not for you to perish. Dieu ne veut pas que tu périsses. God does not want you to perish. Mais si tu refuses de croire en Jésus, pendant que tu es vivant, tu vas périr. If you refuse to believe in the Lord Jesus Christ while you are alive, you will perish. Le temps du sacrifice de Jésus, tu n'as pas un plan de sauvetage pour ta vie. When we talk of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, we talk of a plan of salvation for your life. Si tu refuses d'accepter et d'embrasser ce plan, if you refuse to accept and to embrace this plan, tu vas tomber dans l'eau, mon frère. You will fall into a pit. Parce que Jésus Christ est le pont. Because Jesus Christ is the bridge. Vous pouvez échapper à l'enfer. To escape fire. Jésus Christ est le pont par lequel nous pouvons passer pour échapper à l'enfer. Jesus Christ is the bridge for us to escape fire. Si tu refuses de croire en Jésus Christ, if you refuse to believe in the Lord Jesus Christ, ça veut dire que tu as laissé le bon chemin pour plonger toi-même dans l'eau, dans la fosse. It means you have abandoned the good road to jump into a pit. Si tu refuses de croire en Jésus Christ, if you refuse to believe in the Lord Jesus Christ, ça veut dire que tu as accepté toi-même d'aller plonger dans les champs ardents de feu. It means you have accepted by yourself to go and jump into a fire. Parce que c'est la condition de tout ce qui accepte, qui refuse de croire en Jésus Christ. Because it is the condition of all of us that refuse to accept the Lord Jesus Christ. Une personne qui refuse de croire en Jésus Christ. Everyone that refuses to believe in the Lord Jesus Christ. Une personne qui en train de se déclarer elle-même candidat pour l'enfer. It's a person that is declaring himself a candidate to a fire. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Si tu refuses de croire en Jésus Christ. If you refuse to believe in the Lord Jesus Christ. Ça veut dire que tu en train de dire que moi, je veux aller en enfer, je ne veux pas être sauvé. It means you are saying you want to go to hell, you don't want salvation. Si tu refuses de croire en Jésus Christ. If you refuse to believe in the Lord Jesus Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. For you to have everlasting life. Ça veut dire que tu as préféré toi-même d'aller en enfer. It means you are choosing by yourself to be condemned to hell fire. Ça veut dire que tu te déclares toi-même candidat pour la condamnation éternelle. It means you have declared yourself a candidate for everlasting condemnation. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui pèche contre moi se fait du tort à lui-même. That is why the word of God declares, whosoever sins against God is harming his own soul. Celui qui désobéit à Dieu se fait du tort à lui-même. Anyone that disobeys God hates his own soul. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu périsses. The plan of God for you is not for you to perish. Pourquoi veux-tu aller en enfer, mon frère? Why do you want to go to hell? Pourquoi veux-tu périr, mon frère? Why do you want to go to hell? Pourquoi veux-tu souffrir pour l'éternité en enfer? Why do you want to suffer your eternity in hellfire? Est-ce que tu sais que la manière dont tu vis présentement va te conduire très loin? Do you know the way you are living presently will take you very far? Est-ce que tu sais que la manière dont tu conduis ta vie présentement va te conduire loin? Do you know the way you are living your life presently will take you very far? Pour le moment, tu penses que tu n'as pas de problème parce que tu crois que la vie est comme tu la vois. For the moment, you think you have no problem because you think life is the way you are seeing. Pour le moment, tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu penses que tout se limite à ce que toi tu connais. For the moment, you think you don't need the Lord Jesus Christ because you think things are limited to what you know. Pour le moment, tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu penses que tout se limite à ce que toi tu as appris à l'école. For the moment, you think you don't need the Lord Jesus Christ because you think all is limited to what you have learned in school. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Si c'était le cas. If that was the case. Si tout se limitait à ce qu'on connaît dans ce monde. If everything was limited to what we know in this world. Si tout se limitait à ce qu'on a appris à l'école. If everything was limited to what we have studied in school. Si tout se limitait à ce qu'on nous a enseigné dans ce monde. If everything was limited to what they have taught us in this world. C'est que le Seigneur n'allait pas nous dire que si quelqu'un pensait que ça selon les critères du monde actuel, qu'il devienne fou afin de devenir sage. It means the Lord will not declare in his word that if anyone thinks to be wise, let him very well be a fool. Tu dois te repentir, mon frère. You need to repent. Tu dois te repentir, ma soeur. You need to repent. Avant qu'il ne soit trop tard. Before it be too late. C'est le moment de te repentir, mon frère. It is time to repent. C'est le moment de te repentir, ma soeur. It is time to repent. Ne rejette pas l'appel du Seigneur. Don't reject the call of God. Ne rejette pas l'appel du Seigneur. Don't reject the call of God. Ne rejette pas l'appel du Seigneur. Don't reject the call of God. Ne rejette pas l'appel de Dieu. Don't reject the call of God. Ne rejette pas l'appel de Dieu. Don't reject the call of God. Je te rappelle qu'il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. We remind you there is a time that God will no longer call for you. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. There is a time God will no longer call for you. Pour le moment Dieu t'appelle, tu fais comme si tu n'écoutes pas, mon frère. For the moment God is calling for you, you make as if you are not here. Dieu t'appelle à changer de vie, tu fais comme si tu n'entends pas, mon frère. What tells you to change your way of life, you make as if you are not here. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. A time is coming, God will not call for you again. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller. God will not call for you again. Il y aura un temps où Dieu ne va plus t'interpeller, ma soeur. A time is coming, God will not call for you again. Aujourd'hui, Jésus Christ appelle encore. Today God is calling for you again. Jésus Christ appelle encore, mon frère. Jesus Christ is calling for you again. Jésus Christ appelle, ma soeur. Jesus Christ is calling for you. Jésus Christ appelle, mon frère. Jesus Christ is calling for you. Le moment d'accepter Jésus dans ta vie, mon frère. It is time to accept the Lord Jesus Christ. Le moment d'accepter Jésus Christ, ma soeur. It is time to accept the Lord Jesus Christ. Le moment de recevoir l'évangile. It is time to receive the gospel. C'est le moment de recevoir la vie en toi. It is time to receive life in you. Tu dois recevoir la vie, ma soeur. You need to receive life. Tu dois recevoir la vie, mon frère. You need to receive life.
Et tu dois aussi chercher le salut de ton âme. You also need to seek for the salvation.